Lieutenant Sonny, vous êtes relevé de vos fonctions pour insubordination et le non-respect d'un ordre direct. Votre grade ainsi que vos médailles vous seront retirées et vous retournerez désormais à la vie civile. Avez-vous des réclamations? Le jugement est donc terminé. L'espace, extrémité infinie de l'univers. Depuis toujours, l'homme tente de voyager dans cette immensité, mais jamais il ne s'est dit que d'autres l'avaient peut-être déjà fait avant. Et si d'autres espèces avaient existé, et s'ils avaient maîtrisé le voyage spatial, si l'esprit avait dépassé les limites de la science? Mais alors, si une espèce a existé, évolué et réussi, elle a forcément laissé des traces, des indices de sa présence. Elle a sans doute laissé un petit détail infime, ou au contraire une chose tellement énorme et présente depuis le tout début qu'il nous paraît impossible qu'elle soit autre chose que la fonction qu'on lui a donnée. Petit ou gigantesque, rien n'a été découvert, du moins jusqu'à aujourd'hui. Une petite pierre de couleur verte a été trouvée en Amérique centrale lors d'une mission militaire américaine. Un si petit objet, mais aux possibilités si énormes. Cette pierre est peut-être cette trace, cette empreinte que nous cherchions. Si c'est le cas, plusieurs questions restent en suspens. Quelle est sa fonction? D'où vient-elle? Et qui l'a conçue? Bon, il semblerait que votre pierre ait fonctionné. Il semblerait. D'après ce que j'ai réussi à déchiffrer de la pierre, ce qui est assez mince comme source d'ailleurs... Ouais, mais je vous ai dit que j'ai trouvé que ça. Ouais, bah si vous le dites. Donc d'après cette pierre, ce portail devrait nous conduire à un autre point de la galaxie. Le problème, c'est qu'on sait ni où ni comment, en fait. Et j'avoue que j'aimerais aussi bien que la planète sur laquelle on arrivera soit pourvue d'oxygène. Mais vous m'avez dit que ceux qui avaient posé ces portails l'avaient fait sur des planètes viables. Ah, viables au moment de l'installation, oui. Bah ça va faire une petite dizaine de millénaires quand même que ces portails ont été installés. En tout cas, il fait aucun doute que l'espèce qui est à l'origine de tout ça était bien plus évoluée que nous pour concevoir ceci, on en serait totalement incapable. Ouais bah je sais pas qui sont ces types, mais ça serait aussi bien d'en apprendre un peu plus sur eux avant de se jeter la tête la première dans cette flaque de violette. Pour ça, il me faudrait du temps et des éléments d'étude. Alors vous m'avez donné que des bouts de parchemin et cette foutue pierre, dans des états peu enviables. Et rien ne nous dit que nous réussirons à ouvrir ce portail. Bon, on passe. Oh mais me regardez pas comme ça. C'est vous le militaire, hein? Moi je suis historien. Je vous fais confiance pour les prises de décision basées sur une forte ignorance. Les prises de risques inconsidérées, l'amour inconditionnel pour les dégâts collatéraux, et quelque chose me dit, vu votre tête, que vous êtes un as pour vous foutre dans la merde. A partir de là, moi je vous laisse passer devant. Ouais, bah je vois que c'est pas le courage qui vous étouffe, hein. Bon, bah j'y vais. Et passez que si je vous en donne l'ordre. Même si vous m'en donnez l'ordre, je sais pas encore si je vais passer, moi, dans votre espèce de télavande, là. Ah, faites pas l'enfant, on a pas traversé toute l'Irlande pour trouver cet endroit et faire demi-tour maintenant. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas où je me suis embarqué, hein. Bon allez, je passe et je vous recontacte une fois de l'autre côté. Bah attendez, on sait même pas si les ondes radio passent à travers le portail. Ouais bah moi j'ai une technique pour le savoir. Laquelle? Attendez, ah fais chier. Mais vous m'entendez, Lieutenant Sonny John. Et merde, je suis sûr qu'il est arrivé sur une exoplanète totalement dépourvue d'oxygène et qu'il est en train de suffoquer. Mais je lui avais dit pourtant. Eh oh, vous m'entendez? John, c'est vous? Non, c'est un lémurien garou parlant qui a pris ma radio, espèce d'idiot. Vous voulez que ce soit qui? Bon, vous passez ou vous campez là-bas? Ouais, c'est ça, foutez-vous de moi. Bon, je peux passer? Ouais, y'a pas de problème. Ok, j'arrive. Hop! Alors, y'a de l'air ou pas? Non, ça va, hein. Vous auriez pu me dire que le portail était apparu à 5 mètres du sol. Et pourquoi donc? Je me serais privé d'une chute du plus bel effet? Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quoi donc? Vous avez trouvé un ravin où sauter? Non, juste des ruines. Et je sais que vous autres, les archéologues, vous en raffolez. C'est ça, ouais. Vous savez ce que j'en fais, moi, de vos ruines? Vous pouvez vous les mettre là où je pense? Attendez. Laissez-moi vous montrer avant.
Bon, attendez là. Et surtout, vous touchez à rien, surtout avec vos mains crasseuses de militaire. Je reviens tout de suite. Je vais tout fouiller, je reviens. Attendez. Quoi encore Bah, le portail. Regardez, il s'est refermé. Essayez la pierre pour le rouvrir. Bah, je veux bien, mais où? Dans le temple, il y avait une encoche pour la poser, mais là, il n'y a aucun système d'activation. Je crois savoir pourquoi. Cette planète n'était pas comme ça à l'époque, à mon avis. Le sable a dû être transporté d'un désert voisin et a recouvert toute la zone. Le portail doit être muni d'une sécurité qui l'empêche d'apparaître dans le sol, et il s'est donc matérialisé au-dessus du sable. Mais le système de réactivation doit être encore en dessous, lui. Vous voulez dire que ce dont on a besoin pour repartir est peut-être 15 mètres sous nos pieds? Non. Après plusieurs millénaires, je dirais plutôt 100 mètres. Quoi? Voire plus. Bon, là, on est dans la merde. Je pense qu'on aura plus d'informations une fois que j'aurai exploré Sermine. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas de système de secours. Il ne reste plus qu'à chercher. D'après ce que j'ai pu comprendre des inscriptions sur les ruines, il devrait y avoir un passage là-dessous. J'ai mal aux mains. Ça fait un moment que je creuse quand même là. Hein. Vous savez, je commence à me demander si vous êtes pas plus un poids qu'un atout. Bah pourquoi vous dites ça? Ah non, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En attendant, si vous m'aviez pas embarqué dans cette histoire de portail, on n'en serait pas là. Et d'ailleurs, c'est qui va s'occuper de Sweep maintenant? Mais... Sweep? Bah oui, c'est mon chat. Votre chat? On est bloqué sur une planète ensablée pour faire certainement la plus grande découverte de ce millénaire, et vous me parlez de votre chat? Bah oui, et alors, j'ai bien le droit d'avoir un chat, non? Oh si si, mais ça doit pas être facile pour lui tous les jours, hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, d'où elle sort cette pierre? Non, parce que vous m'avez pas clairement dit d'où elle venait. De l'armée. Mais comment ça? Ils vous l'ont donné, c'est tout? Je dirais pas qu'ils me l'ont donné, hein, plutôt que j'ai emprunté. Emprunté, hein? Oui, plutôt sur une longue durée, à vrai dire. Nah, non, parce que dans la dimension de l'emprunt, il y a quand même, il me semble, la notion de retour. Et d'ailleurs, généralement, l'emprunteur prévient le prêteur. Enfin, après tout, je vous comprends, les normes sociales sont de plus en plus floues de nos jours. Disons que j'ai pas trop eu le temps de les prévenir après la cour martiale, ni l'intérêt d'ailleurs. Cour martiale? Mais dites donc, c'est une véritable épopée que vous me comptez là. Alors comme ça, le petit soldat a désobéi au haut responsable de la défense de notre état? Vous savez quoi? Finalement, vous allez continuer de creuser. Vous êtes sérieux? Je ne peux plus sérieux, oui. Vos autres intellectuels, vous avez un défaut, c'est de dire ce que vous pensez tout haut, alors que certains des plus abrutis de ce monde savent qu'il vaut mieux parfois se taire. John! Venez, j'ai réussi! Bah, vous êtes où? Dans le trou! Ah! Regardez, j'ai trouvé une dalle! Ça doit être le toit du fameux bâtiment dont il est question sur le mur là-bas! Si vous le dites. Par contre, je sais pas trop comment on va la casser là. Bah, attendez, je vais chercher une pioche! Il est où le sac? Quel sac? Bah, le sac! Non, mais je parie que vous l'avez oublié dans le temple! Bah, je pensais que c'était à vous de le prendre! Non, je vous avais bien dit que vous deviez vous en charger. Bah sinon, on peut toujours essayer avec la pelle. Ouais, non. Non, mais de toute façon, le toit doit avoir un bon millénaire, alors j'ai juste à taper un peu dessus et il va casser. Bah, montrez-moi. Géronimo! Eh, au fait! Ah, quoi? Attention, il y a 3 mètres! Allez-y, sautez! Ok, j'arrive! Oh là là, mais où est-ce qu'on est tombé? Oh! Un coffre. Oh bah, hey, regardez, une vieille torche avec de l'huile! Ah bah, ça tombe bien, j'ai un briquet, tenez! Ah bon, on y voit tout de suite plus clair.
nourriture par ici. Je vais tenter de dégivrer tout ça. Bah, allez-y. Hein. Eh, hey, vous avez pu en tirer quelque chose? Vous voyez le mur là? Oui. Eh ben, il est tapissé d'inscriptions. Et j'en ai pas encore lu un sixième. Ah bah, ça risque d'être long. C'est bien étrange ce truc-là. Comment? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que ce truc-là semblait bien important. Et bizarrement, il est exactement en face du tunnel. En face? Oui, ceci expliquerait cela. Je pense que vous avez raison, et d'ailleurs, d'après toutes ces inscriptions, j'en sais déjà plus. On dirait que des gens ont voulu laisser des traces de leur histoire, comme s'ils savaient qu'ils allaient disparaître. C'est assez étrange, d'autant plus que le récit qui est sur ce mur n'est pas autant révélateur que j'aurais pu le souhaiter. Toutefois, c'est déjà bien assez. Ce que j'ai pu en comprendre raconte qu'il existait sur cette planète une grande civilisation riche et prospère. Elle serait comparable à nos Égyptiens d'après ce que j'ai pu voir de l'architecture. Cette civilisation connaissait malheureusement des dissensions récentes puisqu'elle était partagée entre deux camps, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Tels sont-ils nommés dans ce texte. La religion contre un athéisme violent. Je ne puis dire comment le conflit évolua, mais il est précisé que ce qui était au début une petite divergence devint finalement une gigantesque guerre civile. Le pouvoir était convoité par les deux camps, et cela déclencha une guerre sans précédent. Les croyants, qui priaient Samara, la déesse originelle de la vie, du voyage et de l'accomplissement, après s'être opposés de toutes leurs forces, comprirent qu'ils ne pourraient vaincre cette masse païenne. Ils décidèrent d'émigrer dans le jardin, le paradis en somme, que la déesse avait construit pour tous ceux qui le méritaient. Il était prédit que, c'est par le portail que les pieux passeront, c'est par le passage qu'ils découvriront mon éternelle terre d'accueil, ces terres sont ouvertes à qui peut les entrevoir et les découvrir, mais fermées à tous les sceptiques. Le clergé a décidé que cette ère d'opulence et de bonheur qui était décrite était sans nul doute le dernier refuge de leur communauté. Ils entreprirent donc de lancer un voyage initiatique grâce au portail en direction d'une planète dont ils avaient trouvé les coordonnées dans les livres sacrés et qui ne pouvait être que ce fameux jardin. Cette planète devait, c'est ce qu'ils pensaient, abriter ce fameux paradis. Une première expédition fut envoyée, mais aucun n'en revenu. Une équipe de secours partit à leur recherche et informa le clergé qu'il n'y avait aucun survivant et que le portail débouchait sur une grotte totalement gelée et fermée du monde extérieur. Ils émirent l'hypothèse que le paradis tant espéré était derrière ces murs de glace, comme une dernière épreuve avant la rédemption. Le portail se referma et ne se réactiva pas, la deuxième équipe était perdue. Un projet scientifique fut alors entamé pour trouver comment percer ces murs sans avoir à renvoyer une autre équipe sur place. Ce projet fut baptisé Éclair d'Espoir. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait d'une sorte de laser surpuissant montant jusqu'à plus de 5000 degrés et capable de percer n'importe quel obstacle. Ils avaient prévu en fait de tirer un rayon à travers le portail pour que celui-ci traverse et perce la glace. Il semble que quelque chose n'ait pas fonctionné. Toutefois, il est possible que le laser fonctionne encore. Et comme le laissent penser ses écrits, la salle d'activation du portail et donc la stèle d'activation doivent être là devant. 100 mètres derrière ce sable, au bout de ce tunnel. Et le laser devait sûrement partir de là alors? Certainement, et c'est potentiellement notre moyen de sortie. Comme vous le savez certainement, le sable chauffé à haute température se transforme en verre. Ce même verre, chauffé à haute température, fond. Autrement dit, il nous suffit de réactiver ce laser et de le maintenir fonctionnel jusqu'à ce que toutes les transformations se fassent pour dégager ce tunnel. Et vous pensez que ça peut marcher? Honnêtement, il va nous falloir beaucoup de chance. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Je vais activer le laser. Est-ce qu'on peut vraiment être prêts là? Quand je vais dire 3, il va falloir vraiment courir. Ok. 1, 2, 3. Démolition ! On a réussi ! Bon, enfin pouvoir rentrer chez nous. Et regardez, il y a le portail, il est même pas à 100 mètres. Mais attendez ! Quoi? Le laser là, il se réactive? Non, vous déconnez. Courez! Courez! Bordel!
Vous êtes qui ? John, vous avez encore beaucoup de choses à accomplir. Mais qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes où ? John, vous devez vous relever. Mais qu'est-ce que vous dites ? Avancez droit devant vous, ne vous retournez pas. Je comprends pas. Pourquoi ? John. Ramène-toi ! Il faut que je me dépêche. Allez, vite. C'est tout fou. Je vois rien, c'est quoi ? Il y a du feu partout. Ça explose ! Vite ! Ben ! Vous m'entendez ? Avancez ! Le portail est devant ! Mais je fais que ça d'avancer ! Mais putain, pourquoi il y a des marches ? Ça explose ! Ah ! Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit ? Ben ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qui a parlé ? Ben, vous êtes là ? Bienvenue, Jack. Hein ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que mon identité vous apporterait-elle ? J'existe, voilà tout. Et vous, John Sonny, existez-vous ? Comment ça ? Je ne foute peut-être pas la terre de mes pieds, mais pourtant j'existe bel et bien. Et vous ? Bien sûr que j'existe, sinon je ne vous parlerai pas. En êtes-vous bien sûr ? Plutôt, oui. Bien, alors nous allons voir. Mais merde, c'est quoi ça ? Mauvaise question. Quoi ? Vous n'avez pas posé la bonne question. Comment ça ? Mais... Bonjour, Jeff. Vous allez bien ? Qui êtes-vous ? Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas ? Que vous avez réussi ? Qui êtes-vous ? Ce n'est pas la bonne question. Je la connais pas, votre foutue question ! Vous la connaissez, John, mais vous ne la voyez pas. Tout comme cette arme, d'ailleurs. Que... John, avez-vous peur ? Non, enfin... Non. Vous n'êtes pas effrayé ? Non. Alors, vous n'êtes pas ? C'est pas ce que j'ai dit ! Je... John ! John, réveillez-vous, vous délirez ! Ben, c'est vous ? Non, c'est l'émurien Garou qui a encore frappé. Me faites pas rire, ça me fait mal. Bah allez, reprenez vos esprits. Qu'est-ce que vous avez vu ? Pourquoi vous criez comme ça ? Ce serait beaucoup trop long à expliquer. J'en doute pas. Les rêves sont parfois bien étranges. Mais seulement c'était qu'un rêve. D'ailleurs, c'est quoi cette tenue ? Oh, c'est des habits que j'ai trouvés dans la cité. Vous avez fait les zoles ? Bah, non. Allez, rendormez-vous, vous en avez encore besoin. Ah, putain.
Ben. Ben, vous êtes où? Vous m'entendez? Ben! Ah. Non, Ben. Faut que je parle. Putain. Impressionnant. Ouais, comme vous dites. Lorsque nous avons passé le portail, on est arrivé dans cette cité. Et j'ai vu personne pour le moment d'ailleurs, je crois qu'on est seul. En tout cas, j'ai commencé à chercher des infos dans la base de données. Et sinon, vous bien dormi? Après 3 jours, j'espère que vous avez récupéré quand même. Attendez, 3 jours? Ah oui, vous avez pris un bon repos si j'ose dire. Ouais, toujours ça de pris. Bonjour John. Hein, quoi? C'est l'IV de la cité. Comment ça? Une IV? Intelligence virtuelle. Ouais, sa tâche est de veiller au maintien des systèmes de survie, comme l'atmosphère ou la gravité, et de stocker la totalité des données statistiques de la ville, pour relever d'éventuels problèmes. Ouais. Vous m'excuserez, mais j'ai quelques problèmes avec sa voix, on pourrait presque dire que c'est une vieille connaissance. En effet. Vous allez mieux, John? Y'a des chances, mais c'est pas grâce à vous. Bon, eh bien, je vois que vous avez déjà fait connaissance, même si j'avoue ne pas trop comprendre comment, mais enfin. Le mieux reste encore que je vous fasse visiter tout cet endroit, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, venez. Depuis que je suis ici et pendant que vous vous remettiez, j'ai découvert tout un tas de choses étonnantes grâce à la base de données de la ville. Dont le nom de la planète sur laquelle on était il y a quelques jours, Telluria du système Arcadien. L'histoire de cette planète est complexe, ce qui était écrit sur le mur ne disait pas tout, loin de là. Attendez, vous voulez dire que l'ensemble des planètes de la galaxie sont répertoriées dans cette fameuse base de données? Et oui, ainsi qu'une incommensurable quantité de choses encore. C'est dingue! Et puis la cité, c'est quoi son nom? Le centre de tout. Du moins, ce serait la traduction la plus fidèle que j'ai réussi à obtenir avec le traducteur du système et les nombreuses données contenues ici. Le problème, c'est qu'une très grande partie de ces données sont protégées et inaccessibles pour le moment. C'est frustrant, hein. Toutes ces connaissances, ces technologies, et j'y ai pas accès. Je sais qu'elles sont là, mais je peux pas les toucher. Il y a une sorte de mot de passe, de code à entrer, et je l'ai pas trouvé. Je me retrouve bloqué. Et l'IV, elle peut pas nous aider, ça changerait un peu. Bah ouais, mais la dernière fois que je lui ai demandé, elle m'a dit... Je ne peux vous fournir cette information. Elle est protégée, et vous n'avez pas le niveau de sécurité requis. C'est ça. Bon, on va certainement rester un moment. D'autant que le système d'activation du portail est compris dans ces fameux systèmes bloqués. Impossible de partir sans avoir obtenu l'accès. Du coup, il faudrait certainement commencer à chercher une chambre, l'un comme l'autre. Ah bah oui, ça me changerait les idées, tiens. Bon bah, on va commencer par celle-là. Eh, c'est sympa ici. Bon, celle-là, elle est pour moi. Bah, je suis pas d'accord, pourquoi vous? Moi aussi, j'aime bien. C'est moi qui suis rentré le premier. Si j'avais encore 8 ans, j'aurais créé Prums, mais là, je vais tâcher d'être plus distingué. Donc, c'est ma chambre, un point, c'est tout. Et arrangez-vous pour prendre la vôtre à l'autre bout du bâtiment. Hop, 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 vous faites quoi, là? Bah, je viens visiter. Que nenni, c'est ma chambre, privée, fermée, les moutons seront bien gardés. Petit conseil, pour éviter de perdre toute crédibilité, évitez de vous lancer dans des citations, ça vous va mal. Bon, quand vous aurez fini de vous installer, vous aurez qu'à me rejoindre. T'es ça, et fermez la porte derrière vous. C'est bizarre quand même. Ça vous étonne pas qu'il n'y ait plus personne et que ce soit aussi bien rangé? Je veux dire, si vous aviez eu à fuir, vous auriez emmené des choses, non? Il y aurait du bazar provoqué par la cohue, mais là, rien. Tout est ordonné, propre. Ah oui, vous êtes pas là. Vide. Cette ville est déserte! Y'a quelqu'un? Bon, il s'agit de trouver quelque chose d'intéressant maintenant. Ah, voilà, une bonne chose est faite. Il est passé où encore l'autre? Ben? 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 Bon, Ben! Classique, là, si. En tout cas, ils savaient faire la fête, les aliens. J'imagine ce qui pouvait se passer ici. Ouais.
Ben ? Bienvenue dans la bibliothèque, John Sony. Il y a actuellement une personne dans les locaux. Passez une bonne journée. Ah, vous vous êtes bien planqué, dites-moi. Vous avez découvert des trucs ? Eh oh ! Hein, quoi ? Je vous ai demandé si vous avez trouvé des trucs. Bah, regardez vous-même. Vous vous moquez de moi ? Comment ça ? Bah, attendez, vous comprenez ce charabia-là, avec tous ces signes qui partent dans tous les sens, cette espèce de jet inversé, là ? Bah, c'est pourtant clair, non ? On doit pas avoir la même définition du mot clair. Certainement, mais qu'est-ce que vous comprenez pas ? Tout ? Bah, on est bien avancé. Non, et moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas que je puisse pas lire, mais bien que vous en soyez capable. Déjà sur Telluria, vous avez réussi à déchiffrer ces inscriptions sur le mur. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche ? Genre, vous avez pris l'option extraterrestre au lycée. Vous pouviez pas faire espagnol comme tout le monde ? J'en sais rien, moi. Tout ce que je vois, c'est que j'arrive à lire n'importe quel dialecte. Et autant vous dire que c'est pratique. Ah putain, je dois être comme Batman, hein. J'étais absent le jour de l'attribution des pouvoirs. Sans doute. Tout ça me dit pas ce que vous avez trouvé. Bah, j'ai épluché pas mal de bouquins pendant que vous rangez votre chambre. Mmh. Et dans la plupart, il s'agit de poèmes, certes bien ficelés, mais qui, dans l'ordre actuel des choses, nous servent, si j'ose dire, à que dalle. Ah, si je pensais un jour vous entendre dire ça. Mais du coup, rien d'intéressant ? J'ai dit dans la plupart, mais dans celui que vous tenez dans la main, j'ai découvert quelques éléments des plus étranges concernant l'ancienne race, ou plutôt les anciennes races qui habitaient dans cette cité. Les ? Ouais. 5 races pour être plus précis : les Zerdites, Ligaz, Nifalnu, qui étaient très proches de la nature, du moins c'est ce que j'ai pu en comprendre. Des écolos en somme. Si vous voulez. Ensuite les Wyrk, une grande race combattante qui avait la flotte la plus puissante. Ah, bah eux je les aime bien. Ouais, tiens non. Et pour finir, les Ariabor, dont on ne sait que peu de choses, car il semble qu'ils aient été comme effacés sur presque la totalité des parchemins. Effacés ? Ouais, comme si on avait voulu passer leur existence sous silence. C'est bien beau tout ça, mais ça nous dit pas pourquoi les écolos et leurs potes du dimanche ont fait la coloc ensemble. Vous allez tout de même pas me dire que c'était pour faire une partie de Scrabble ? Non, sans doute pas. Ça devait pas exister chez eux. Pas faux. Sinon, vous, à part ça, vous avez trouvé des trucs ? Bah écoutez, Alerte, utilisateur. Une faille dans les systèmes de refroidissement a été localisée dans les secteurs scientifiques. Une surcharge est à prévoir sans l'intervention du personnel qualifié. Veuillez intervenir au plus vite. Localisation ? Localisation indisponible. Bah c'est bien beau, mais je vois pas trop comment résoudre le problème si on sait pas où il est. Affinement de la recherche. Localisation, bâtiment scientifique, étage 2. LS. C'est toujours ça. Bon bah c'est parti. Attendez. Quoi ? Regardez cette pièce. C'est là ? Non, mais ça me dit quelque chose. Je le sens mal. De même, mais si c'est ce que je crois, on va enfin en apprendre plus. Comment ça ? Je pense qu'il s'agit de la salle aux mille souvenirs, une gigantesque base de données comprenant la totalité des mémoires des anciens habitants. Il fonctionne sur le principe d'hologrammes qui montrent des discussions, des scènes de la vie, des moments importants qui ont marqué les habitants de la ville. Le conseil l'avait voulu pour laisser une trace, pour créer une sorte de stockage qui résisterait au passage du temps. Et comment ça fonctionne ? Il suffit de marcher là, et de poser une question par la pensée. La machine projettera alors une image répondant à la question. Attendez. Je vais le faire. Comme vous voulez. Montez sur l'estrade et appuyez sur ce bouton-là.
Posez votre question. Bah allez-y. Je veux en savoir plus sur les races qui peuplent cette ville. Il y avait en tout 5 races, représentées par 2 émissaires chacune. Les Xertites, commerçants dans l'âme, ils assuraient le transit des marchandises et des capitaux entre les différents systèmes. Leur flotte commerçante était la plus imposante et parcourait toute la galaxie. Les Ligaz, une espèce asexuée d'apparence féminine, race impétueuse dotée de puissants pouvoirs evnotech et d'une grande intelligence dans les domaines scientifiques, elle donne une importance capitale à l'esprit et à sa maîtrise. Spécialisée dans les sciences, cette espèce est à l'origine d'une grande partie des avancées technologiques de la coalition. Les Nifalno, des êtres proches de la nature et pourvus d'une connexion avec les espèces végétales leur permettant de communiquer avec elles. Les Wirk, une très grande race de guerriers qui composait environ la moitié de l'armée de la coalition. Technologiquement très avancés, bien qu'alliés, ils tenaient une concurrence constante avec les Ligas à différents niveaux. Recherche, science et combat étaient sujets à compétition. Pour finir, les Eriabor, oligarchie de famille puissante, dirigeant d'une main de fer un peuple assez divisé et sous-estimé par les autres races. Leur principale puissance reste la main-d'œuvre, la classe ouvrière la plus efficace de la galaxie et représentant près de 3/4 des effectifs. Aussi nombreux et aussi différents, comment fonctionnait l'Alliance ? La coalition était régie par une assemblée composée de 10 conseillers qui comptaient chacun une voix et participaient aux nombreux débats pour prendre des décisions face à la menace. Quelle menace ? Celle des Chevaucheurs de Feu, une race belligérante de la galaxie voisine dont la disparition est annoncée par une prophétie. Prophétie que ces derniers ont décidé de contrecarrer en détruisant cette galaxie qui devait donner le jour, un élément double, source de leur futur déclin. Et que dit la prophétie ? La complémentarité et l'union de deux touts devra transcender l'ombre et le feu aux lueurs du 4e cycle, où le néant enveloppera la galaxie et mettra fin à sa genèse. Une prophétie ? J'aime pas les prophéties. C'est flou. Il nous faudra étudier ça rapidement. D'autant plus que... Quand arrivera le 4e cycle ? Le 3e cycle prendra fin pour laisser place à son successeur dans... D'après votre système de mesure du temps... Un mois. Un mois ? Si peu de temps ? Et comment on est censé arrêter cette menace ? Désolé, mais la solution à votre question n'est pas présente dans cette base de données. Ça aurait été trop beau. Et au fait, pourquoi vous êtes en forme humaine ? Les humains n'étaient pas présents à l'époque. Je suis paramétré pour revêtir l'apparence de l'espèce qui nous questionne. Ah, un peu facile comme histoire, mais enfin. Rappel alerte utilisateur. Une faille dans le système de refroidissement est toujours active dans les secteurs scientifiques. Une surcharge est à prévoir sous peu, sans intervention du personnel qualifié. Oui, on sait. Bon, s'agirait de solutionner ce problème avant toute chose. Nous occuperons de résoudre cette énigme quand nous aurons réparé la défaillance. En effet, d'autant que ce sera plus simple à tête reposée. On devrait pas être loin, on est exactement là où Livet a repéré le problème. Bien, et là c'est quoi ? Bah, d'après ce que je vois, ça ressemble aux descriptions que j'ai pu lire de la zone médicale, mais j'en sais pas plus. Qu'est-ce que... Peur ? Et qu'est-ce que c'est ? Certainement être des effets secondaires dus à l'utilisation de la machine au mille souvenirs. Putain, j'aurais dû faire attention, je l'avais bien lu pourtant qu'il l'avait dit ça. La mémoire des habitants nous apparaît comme si nous visitions la cité à l'époque de son apogée. Flippant quand même ! Bah surtout que c'est certainement pas le dernier flash ! Youhou ! Donc si je me souviens bien, c'est ici qu'étaient traités les malades. Une sorte d'infirmerie quoi. En plus gros. Je vois. Vous avez entendu ? Ça vient d'exploser là ? Certainement la surcharge. L'avantage c'est que maintenant on sait que c'est plus très loin. C'est quoi cette pièce ? Y'a même pas de porte ? Enfin... Y'avait pas de porte.
Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà quoi. Non mais je me doute que vous en savez rien, je parle tout seul. Ah, ok. Ceci est une interface d'interaction avec le système de cryogénisation. Le dispositif accueille actuellement un individu. Ça parle? Certainement une simple IV paramétrée pour répondre à des questions simples. En tout cas, on sait ce que c'est maintenant. Une machine de cryogénisation. C'est-à-dire? Un système permettant de conserver dans la glace une personne dans l'espoir de la réveiller plus tard. Et comment on décongèle Mr. Freeze? J'aimerais que vous évitiez d'utiliser votre ton sarcastique habituel. Je ne pense pas que vous vous rendez compte de la découverte. Ce type, s'il est encore vivant, peut nous en apprendre bien plus que n'importe quel hologramme. S'il est encore en vie. Et justement, il va falloir se dépêcher de sortir de là. Il ne lui reste peut-être plus longtemps à vivre. Ok. Arrêtez, vous faites quoi là? Bah je le sors de là. Et vous comptez faire comment? Appuyer sur n'importe quel bouton en espérant que ça le tue pas? Laissez-moi gérer ça. Bah comme vous voulez hein. Yves, est-ce que tu nous vois? Je vous vois toujours, Ben Melzora. Certes, tu saurais comment libérer l'homme de glace? Comme un manuel demandé en salle de contrôle. Quoi? T'es pas foutu de faire ça toute seule? Je ne suis pas dans la capacité de désactiver le système seul. Une sécurité est en scène. Eh ben on aura qu'à valer aujourd'hui. Putain, saleté de système alien! Y'a aucune logique dans leur dossier racine! Bah c'est sûr, on doit être loin du Windows 98. Bon, moi je suis vraiment exténué, faut que je retourne me reposer. D'autant que vous avez pas besoin de moi pour le moment. Ben, vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui, vous voyez pas que j'ai autre chose à foutre? Allez roupiller, j'ai pas besoin de vous! Bon, comment obtenir l'accès à ces données? Tiens, si j'active ça, ça fait quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors Ben, vous trouvez votre bonheur? Ouais, enfin, c'est pas vraiment ce que je dirais. Serait-ce le lémurien garou qui a encore frappé? On m'avait dit que les IV avaient un humour de merde, mais c'est quand même déroutant de l'entendre. J'aurais essayé. Donc sinon, vous vous en sortez? Ah, si j'avais réussi, je serais de toute autre humeur. C'est pourtant pas bien compliqué. Ah bon? Vous avez qu'à le faire alors! Je vous ai dit que je ne pouvais pas. Ouais, enfin, entre ce que vous dites et la vérité, je m'attends à un gouffre. Les humains considèrent-ils l'omission de certains paramètres comme du mensonge? Oui. Alors en effet, mais c'est pour vous aider. Elles disent tout ça! Marque flagrante d'amalgame facile. Merde! Utilisation de registres familiers. Bon, vous avez fini votre étude, on peut revenir à notre problème? Non, parce qu'on a un type congelé dans une salle même pas répertoriée qui attend sa place au coin du feu pour raconter son histoire. Et autant vous dire que vu mon estimation du nombre d'années qu'il a passé dans son congélo, il ne reste pas longtemps avant de perdre autre chose que ses dents. Je comprends. Ça m'étonnerait qu'une IV comprenne quoi que ce soit. Qui a dit que j'étais une IV? Vous, il me semble. Puis-je vous regarder et dire que vous êtes une plante tout en ayant raison? Effectivement. Mais alors vous êtes quoi au juste? Pourriez-vous vous regarder et vous définir objectivement? Non plus. Vous m'avez l'air consciente de ce qui se passe, et intelligente. Vous approchez plus d'une IA. Vous n'avez pas d'intention sur ce point. Bon, c'est déjà ça. Alors, je dois faire quoi pour activer la décryogénisation? Écoutez-moi bien, car les instructions sont complexes. Mm-hmm. Vous allez devoir activer le protocole MIRA et entrer le code suivant. Bienvenue dans la cité, John. Hein? Qui êtes-vous? Bienvenue dans cet univers aux mille facettes, toi qui marches ici et qui ne sais pas qui tu es. Ben, c'est vous? Mais... Sais-tu ce que tu adviendras? Sais-tu ce que l'avenir te réserve? Non, tu ne le sais pas. Connais-tu ta destinée? Penses-tu savoir pourquoi tu es là? As-tu compris cette multitude de chemins qui t'ont amené ici? Sans doute pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Alors, mon cher ami inconscient, bienvenue une nouvelle fois, bienvenue dans l'incarnation même de ce que tu peux être et de cette route que tu traces devant toi. Je ne comprends pas!
l'assombrissement de la lumière, la destruction, la fin de toute chose, ou au contraire le renouveau, l'espoir d'une vie meilleure? Mais dis-moi, as-tu peur? Oui! Tu as peur, et tu sais pourquoi? Car la seule chose ici que tu connais, c'est ton ignorance, dans ce paysage absent, dans cette page blanche et pourtant si noire, dans cette absence de couleurs multipliée par la rage de ne pas savoir, dans ce vide comblé malgré tout, dans cette volonté qu'a l'humain de tout connaître, et pourtant de ne rien maîtriser. Qu'est-ce que je dois comprendre? Lumière ou obscurité, bien ou mal, et si tout cela n'était qu'un miroir à deux entrées? Et si tu ne faisais que te regarder dans cette grande mise en abîme de tes pensées? Lance-toi, vas-y, saute! Saute dans l'inconnu, mais souviens-toi d'une chose, l'ignorance est mère de savoir, car c'est d'abord par elle que tu dois passer pour découvrir enfin la vérité. Oublie, oublie tout ce que tu penses vrai, et qui n'est pourtant que fumée. Oublie ces apparats qui ne font que cacher. Laisse de côté tes certitudes. Marche sur tes préjugés, découvre enfin ce qui est dissimulé. Pourquoi tout ça? Penses-tu que tu y parviendras? Je te le souhaite, mon vieil ami, car sinon tout ce que tu connais s'éteindra dans un dernier éclat. Tout disparaîtra pour ne jamais revenir. Ce sera la fin. C'est peut-être ça, justement, la vérité que tu cherches. Peut-être est-ce la défaite? Quelle défaite? Tu le découvriras bien assez tôt. Sache toutefois que vous n'êtes pas seul dans la galaxie. Attends-toi au pire, car c'est le pire qui arrivera. Sois prêt à tout, même à mourir, si c'est pour mieux renaître. L'avenir te révélera mes paroles, à toi qui penses faire le bien. Sache toutefois que l'ensemble de tes choix sont subjectifs, et que tout n'est qu'une question de point de vue. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. La défaite, la mort, est-ce tout ce qui nous attend? Ben! Ben! Y a-t-il une issue? Putain, encore une énigme! Je vous ai demandé une solution, pas un choix! Bon, réfléchissons. C'est quoi ce bordel? Retour au point de départ. Comment suis-je censé passer si je reviens à chaque fois en arrière? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Rappelle-toi. Rappelle-toi, tout est une question de point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce merdier? Oh putain! Oh putain, c'est qui? Mais non! 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 Ah putain, 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 putain! Rendez-vous, vous n'avez aucune chance de survie. Votre destin est déjà tracé, votre route tout indiquée. La mort est au bout du chemin. Vous mourrez jamais, espèce d'enfoiré. Votre destin, vous pouvez le garder. Alors, John, on cavale? Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar, mon petit. Celui même qui te donnera le coup de grâce. Ça m'étonnerait. Allons, allons, John. Tout le monde sait que tu vas mourir. Sauve-toi, peut-être. Comment? Cependant, je suis pressé de croiser enfin ton chemin. Toi qui, depuis tant d'années, inspire le doute dans nos livres de prophétie. Es-tu prêt à retrouver ton état de poussière? Meurs! Ah! John, tu vas mourir. Ah putain! John, vous m'entendez? John? Oui, je vous entends! Super! Ça veut dire que ça marche! J'ai pris le contrôle d'une partie du système! Je peux activer la décryogénisation! Rejoignez-moi dans la salle non répertoriée! J'arrive!
Alors, vous avez réussi ? Oui, je vous attendais pour activer le mécanisme. Bah allez-y. Seulement, si je rate, il survivra pas. Bah alors ne ratez pas. Ouais, bah je vais faire ce que je peux. J'active. Vous avez foiré. Non, il était juste trop tard, je pense. Fait chier. On allait enfin avoir nos foutues réponses. Et merde, ça peut pas se passer bien pour au moins une fois. Attendez, regardez, il avait ça dans la main. Montrez-moi ça. On dirait des... Des coordonnées. Des quoi? Des coordonnées vers une autre planète. Peut-être que tout n'est pas perdu en fin de compte. Vous voulez qu'on aille sur cette planète? Eh bien, si cet homme avait ce papier dans sa main, je pense que ça devait être important. Ce serait idiot de passer à côté de ça. Donc on y va? On y va, ouais. Et cette fois, je suis bien déterminé à ne pas repartir sans rien. Pour une fois, le portail est pas à 5 mètres du sol. Je vous aurais bien dit qu'il fallait faire attention pour vous faire une blague, mais je trouve que ça ferait un peu redite. C'est pas pour me déplaire. Bon bah, je traverse alors. Attendez, ne passez pas, je suis encerclé par une meute de chatois carnivores. Ah ouais, carrément. C'est fort quand même pour une espèce disparue depuis un cycle. Et ils ont quelle tête? Ils vont bien? Ça ressemble à quoi une espèce qui a bouffé les pissenlits par la racine? Bon ouais, ça va, hein, si on peut plus déconner. À défaut d'avoir une meute de chatwalk, on a une superbe planète de type tellurique. Superbe? Je dirais pas ça. Oui, bon, d'autant que d'après les systèmes de capteurs du portail, l'air n'est pas respirable. Tant mieux, j'avais pas spécialement envie d'enlever mon casque. Par peur des chatwalks, sans doute? Vous avez fini, oui. Vous aimez ça, hein, me faire chier. Vous savez pas à quel point. Ouais, bah vous continuerez plus tard, là on va commencer l'exploration. Et votre combinaison, elle fonctionne bien? Pas de défaut apparent? Non, du tout. On a quand même une sacrée chance de les trouver dans la cité, hein. Ce que je trouve vraiment chanceux, c'est que le système du portail nous a signalé que la planète n'avait pas d'oxygène et que par la même occasion ait indiqué où étaient les combinaisons spéciales. J'ose pas imaginer le massacre sinon. Certes. Quand j'ai trouvé le code maître pour activer le portail, toutes les fonctionnalités ont été réactivées. Bon, sur ce, où va-t-on? On pourrait aller, bah tiens, par là. Vous avez choisi au pif. Oui, mais tout se ressemble ici, donc de toute façon, je suis même pas sûr que ça change grand-chose d'aller par là ou par ici. Pas faux. Quoi ce truc? Je sais pas, on dirait une sorte de cabane métallique. Ça sert à quoi? Je sais pas. Tiens, un bouton. Surtout ne... Bah quoi? Appuyez pas sur ce bouton. Trop tard. Et merde.
que c'est que ça? Une base sur une planète perdue aux bordures de la galaxie? Les chevaucheurs de feu! Quoi? Allons voir de plus près. Ce sont les chevaucheurs de feu, John. Hein? Chut! Taisez-vous. Comment? On vient de trouver l'espèce de la prophétie, là! Ceux qui ont probablement exterminé la coalition, et vous me demandez de me taire! Taisez-vous, glissez-vous derrière ce mur, vite! Hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous foutez? J'ai entendu les bruits de pas. Quoi? Si vous ouvrez la bouche, ne serait-ce que pour respirer, je vous jure que je vous tue. Hé, Baguerne, qu'est-ce que tu fous encore? Attends, j'ai entendu un truc dans le coin. T'as tellement bu de Zaltec que t'entends certainement encore les vers se remplir en écho dans ta tête. Allez, ramène tes fesses, abruti. Dites pas n'importe quoi. D'abord, j'ai bu que 3 chopes. Et après la première, tu chantais déjà des berceuses. Ta mère, elle buvait 2 gorgées. Et après, elle dansait nue dans les rues. Allez, tu te ramènes tout de suite, ou j'irai voir le général pour lui parler de ton insubordination. Il me semble que ça fait un moment qu'il a pas trop eu de quoi passer le temps. Tiens, c'est quoi ce bouton-là? Hé hey, je crois que j'ai trouvé un nouveau truc avec mes combis. C'était le haut-parleur, espèce d'idiot. Ah oui. Je savais que j'avais entendu quelque chose. Me tuez pas. Bon, je vais m'occuper de lui et après je reviens pour vous. Vous vous en êtes bien sorti? C'est ça, ouais. En tout cas, c'est pas grâce à vous qu'on est encore en vie. La prochaine fois qu'on est dans une situation pareille, évitez d'activer le haut-parleur et que là, tout va que vous avez trouvé un nouveau joujou. Oui, bah c'est la première fois que je suis dans une combinaison alien high-tech. C'est une expérience grisante et puis il y a tant de choses à découvrir, à comprendre, c'est génial. Ce qui l'est moins, c'est que nous sommes dans une base hautement sécurisée d'une race inconnue et que je n'ai comme équipier qu'un scientifique qui s'amusait avec sa combinaison. Bon, on va essayer de rentrer dans un de ces bâtiments, on sera moins visible et certainement plus en sécurité. Je suis d'accord. Surtout que si nous pouvions entrer dans la salle de contrôle, on en saurait déjà plus. En tout cas, ça veut dire que les coordonnées étaient un piège. Pas nécessairement, il se peut que nous devions être là justement, pour accomplir quelque chose. Vous parlez d'une sorte de mission? Qui sait, en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous devons en apprendre plus, et pour ça, rien de tel qu'un ordinateur servant de base de données. Pressurisation en cours. Pressurisation terminée. Vous pouvez enlever votre casque ici, il y a de l'air. Il est récalcitrant? Il était. Bon, en tout cas, je pense avoir trouvé un accès stable lié à cette plateforme, à leur base de données. Il n'y a pas tout, mais j'ai le plus gros, disons. D'après ce que je vois, il y a de nombreux dispositifs de sécurité et on aura du mal à tout passer. Heureusement, je peux prendre le contrôle de tout ça en piratant le système. Mais reste un problème, les gardes. Vous voulez rentrer plus en avant dans cette base? Vous pensez pas qu'on a une autre quota d'action pour la journée? Non mais je suis sûr qu'on doit faire quelque chose ici. Si The Weirk avait ses coordonnées dans sa main, ça devait être important. On peut pas partir comme ça, il faut en apprendre plus. Oui, bon, supposons que nous devons bel et bien faire quelque chose ici. De quoi s'agirait-il? Détruire toute la base, récupérer des informations? Tuer quelqu'un? On sait rien de la mission, rien! Vous voulez me persuader de continuer à avancer dans une zone où tout est inconnu et où chaque croisement peut être la fin du voyage? Laissez-moi vous manifester ma plus grande hésitation. Je ne dis pas que ce sera simple. Depuis que nous sommes partis, nous n'avons fait qu'avancer sans savoir où nous allions. J'en ai ma claque, moi, de marcher comme ça, pas après pas, sans savoir ce qu'on fait là. Il nous faut des réponses, et cette planète, aussi hostile soit-elle, devrait pouvoir nous aider à les trouver, j'en suis persuadé. Si vous le dites...
Bon. Elle me va bien ? On dirait un vrai. Super, alors. Pourquoi ? Parce que si vous voulez continuer, j'ai ma petite idée pour passer inaperçu. Grâce à cette combinaison, je devrais pouvoir me faire passer pour un garde. Vous, de votre côté, vous m'assisterez en étant mes yeux et mes oreilles. Vous devez pouvoir accéder à une partie du système d'ici, non ? Oui, je peux. Alors vous m'aiderez du mieux que vous pourrez. Je dois aller où et faire quoi ? Il doit sans doute y avoir une grosse base de données à l'intérieur, quelque chose de plus complexe, ce simple ordinateur-là, et qui devrait nous fournir toutes les infos dont on a besoin. On pourra certainement apprendre ce que font tous ces aliens ici, par exemple. Je continuerai de mon côté à chercher, je trouverai peut-être quelque chose. Comment je fais pour accéder au terminal une fois là-bas ? Ah, il sera certainement pas protégé car je doute qu'ils attendent du monde. Cependant, il sera certainement proche d'une zone de haute surveillance et y accéder ne sera pas simple. Ok, on reste en contact radio. Surtout, me lâchez pas d'une semelle avec vos foutues caméras. Ne vous en faites pas pour ça. John ? Oui ? Prenez ça avec vous, c'est un capteur qui me permettra de pas vous perdre. Bien sûr. Et John ? Quoi encore ? Restez entier. Je vais faire mon possible, Ben. Pas envie de crever ici, ça c'est certain. Techniquement, si vous avancez tout droit, vous devriez arriver à l'entrée du bâtiment principal. Techniquement ? Pourquoi techniquement ? Car en supposant qu'un garde vous arrête sur la route et qu'il vous questionne, je doute fort que vous soyez capable de lui répondre. En effet. Ben, on a un problème. Pour changer, qu'est-ce qui nous arrive ? Je suis devant le bâtiment et il y a des gardes qui surveillent l'entrée-sortie. Il faut une sorte de carte pour entrer. Et merde. Vous avez plutôt bien cerné le problème. Bon, je reviens, on va chercher une solution ensemble et au pire on fera bouffer la terre à un autre garde pour avoir une carte. Ça marche, faites attention en revenant. Ben, j'ai un gros problème. Gros comment ? Là j'ai un beau spécimen d'alien devant moi et il a pas l'air très sympa si vous voyez ce que je veux dire. Remerde, il dit quoi ? Je sais pas bordel, je parle pas à l'alien. Bon, activez le contrôle à distance, je vais voir si je comprends un truc. Et faites vite ! C'est fait. Bon, vous voyez, c'est tout sauf compréhensible. Ben, vous allez pas me dire que vous comprenez ? Bah si, en me concentrant je comprends 80%. Alors traduisez ! J'ai une meilleure idée, attendez, faites comme si vous parliez. Je suis le matricule 8042. Étrange, ça ne me dirait rien du tout. Ah, désolé, je me suis trompé. Je suis nouveau, mon matricule est le 10420 en fait. Je vois, tu viens de la nouvelle garnison en provenance de Tlaïk Prime, c'est ça ? C'est bien ça. D'ailleurs, j'ai perdu ma carte d'identification en patrouillant. Impossible de la retrouver. C'est fâcheux. Ouais, c'est ce que je me disais. Et je me demandais d'ailleurs si c'était tout de même possible de rentrer dans le QG, car j'ai un poste à prendre et je voudrais pas être en retard. Consciencieux le gamin. Bien, ça passera pour cette fois, mais ne t'avise pas de reperdre ta carte. Imagine que des espions se la procurent. Ce serait vraiment dérangeant. Comme tu dis. Allez, fonce ! Je suis à l'intérieur. Je vais où maintenant ? D'après mes plans, il devrait y avoir un ascenseur quelque part. Cherchez-le et montez à l'étage supérieur. Ça marche. Alors, vous servez à quoi, vous ? Pourquoi ces tours sont-elles là ? Mais c'est impossible ! John, vous me recevez ? Faites demi-tour dès que possible. Comment ça ? Vous voyez les tours qui encerclent la base, il y en a 6. Mais il s'agit d'antennes relais qui réceptionnent un signal venant d'une galaxie voisine et cette planète servira de récepteur. D'après ce que je vois, ils ont déjà commencé. Comment c'est quoi ? Une invasion à grande échelle. Les registres parlent de l'arrivée de renforts massifs qui emprunteront cette voûte luminique pour traverser l'espace. Ces tours sont en fait des clés de voûte supportant un passage, une sorte de tunnel transpatial qui permettra de faire passer toute une flotte. Quoi qu'il en soit, il devient vraiment urgent de quitter les lieux, John. J'aimerais bien, mais l'ascenseur est en marche. Et merde. Couloir, droite. Vous descendez ascenseur. Ben ! Ben, je vous reçois plus ! Il y a des sortes d'interférences ! Ben, vous m'entendez ? Hein ?
C'est donc vous, le porteur de pierre. Nous vous attendions avec impatience. Vous parlez ma langue ? Comment est-ce possible ? Vous pensiez qu'à l'image des plus basiques représentants de notre race, je m'étais arrêté à l'apprentissage du maniement des armes ? Les langues et les cultures sont primordiales. Lorsque notre secteur recherche a découvert votre espèce, je me suis intéressé à vous. Et pourquoi ? Les humains ont beaucoup de potentiel. Votre race compte parmi les plus puissantes de l'univers. Lorsque nous envahirons votre galaxie, ce qui ne saurait tarder, nous devrons inévitablement nous occuper de votre cas. Je ne comprends pas. Pourquoi cette invasion ? Vous avez déjà essayé à l'époque de la Coalition et vous n'y êtes pas parvenu. Que cherchez-vous ? Ne nous attardons pas sur ce point, car ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'heure. Ce que je veux savoir, c'est comment vous êtes venu jusqu'à nous. Je m'en souviens plus. Certainement le coup sur la tête de tout à l'heure. Nous sommes si fragiles, nous les humains. La cité... Quoi ? J'ai jamais dit que... Inutile. Je peux entrevoir pour partie vos pensées. Parlez-moi un peu de la cité. La déco est sympa. Ne jouez pas au plus malin avec moi. Vous perdriez bien vite. Pouvons continuer notre entretien de façon cordiale ou passer à un tout autre registre qui vous satisfera beaucoup moins. Je vous avoue que nous pensions la cité détruite. Chose qui, semble-t-il, n'est plus d'actualité. Les Ligaz savent dissimuler les choses. Du moins, quand elles existaient encore. Et tout cela ne me dit pas ce que vous faites ici. Et où est votre ami ? Quel ami ? Oui, Ben Wilzora. Que n'est pas. Ah oui. Ma tête ! Parlez, ou ce petit avant-goût vous paraîtra plaisant face à ce qui vous attend. Je n'ai pas pour plaisir de torturer. Si cela est nécessaire, nous y passerons. Et je vous promets que vous n'aimerez pas ça, John Sonny. Espériez-vous en venant ici vous arrêter ? Nous envahirons vos mondes et les ferons brûler dans les flammes. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ce qui est inéluctable. Alors, où est Wilzora ? Parlez et j'abrégerai vos souffrances. Je sais pas ! Je dois plus être très loin. Encore quelques étages et... Hein ? On vient ! Vite ! Ils ont agrandi le portail une nouvelle fois grâce à l'émeraude que la Forose a récupéré. Ouais, d'après les relevés, nous devrions parvenir à stabiliser les clés de voûte dans quelques heures. Ouais, d'ici 4 à 5 jours, les vaisseaux devraient pouvoir emprunter la voûte luminique. Plus que 5 jours avant le commencement d'une nouvelle ère. En effet, à ce sujet, j'ai entendu le général dire que le portail était prêt pour les vaisseaux. Pas encore tout à fait, il est stable, mais sa taille n'est pas encore satisfaisante. Un détail, ce n'est qu'une question de temps dorénavant. C'est bon, ils sont partis, la voie est libre. Allez, plus qu'un étage. Oh putain! D'accord. Ça doit être la tour de contrôle. Alors toi mon gars. Voilà qui est fait. Maintenant, plus qu'à prendre le contrôle de Unjet. Lequel choisir ? Toi, t'es pour moi ! Maintenant, je branche le système sur le capteur de John et... Prise de contrôle direct. La compagnie Wilzora Airlines vous souhaite un agréable voyage. Or, parlez ! Allez vous faire foutre ! Ce n'est pas ce que j'attends de vous, John. Me forcer à faire quelque chose que je n'apprécie pas. Cela m'énerve au plus haut point. Ben, vous n'avez pas fait ça. Comment ? Mais à qui et de quoi parlez-vous ? De ça. Et blanc, prenez ça, bande d'enfoirés, et un coulis d'alien, hein ? Bon, maintenant...
Cette pièce est en cours de dépressurisation. John ! Quel con ! La pièce se vide de son air. John, vous me recevez ? Sortez de là ! Vite ! Fermeture d'urgence ! Fermeture impossible. Un obstacle obstrue la fenêtre. Je t'en foutrais, moi, de l'obstacle ! Insiste ! Commande impossible. Réessaye, bordel ! Commande impossible. Fais chier ! John ! Merde, comment je vais faire pour repartir, moi ? Petit John qui doit être mort alors qu'il est suffoqué, là, à cause de ma connerie, qui a l'idée d'envoyer un vaisseau ! Putain, John... Hein ? Quoi ? Non ! Lâchez-moi ! Partez ! Non, partez ! Lâchez-moi, non ! Non ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Salut, Ben. Alors, on fait plus voir de vaisseau, maintenant ? John ! Faut croire. La prochaine fois que tu m'envoies un vaisseau sur la gueule, préviens-moi avant, s'il te plaît. Tu ? Plus simple, et puis bon, c'est pas comme si on venait de se rencontrer, hein. J'aurais bien aimé te prévenir, mais la radio était coupée. Alors, que s'est-il passé ? J'ai été capturé par le général de cette foutue base. Un dénommé Drix, je crois. Que voulait-il ? Il m'a questionné. T'avais raison pour l'invasion. Il compte envahir toute la galaxie, y compris la Terre. Oui, je sais. Et dans quelle merde on s'est foutu, Ben ? D'après les registres et les bases de données auxquelles j'ai eu accès, cette galaxie compte des milliards de vies réparties sur des centaines de planètes, dont la Terre, et qui sont dorénavant menacées. Menacées une nouvelle fois par l'invasion des chevaucheurs de feu. Nous devons mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je veux bien, mais comment ? Avec un bâton électrique et deux ou trois cailloux ? Avec tout ce qu'on pourra. Comment pourrions-nous vivre, si tant est qu'on en ait le temps, notre vie, en sachant que nous n'avons pas tout fait pour empêcher ces monstres de détruire la galaxie ? Je suis bien d'accord avec toi, Ben. Mais comment faire ? Tu sais, lorsque je t'ai laissé derrière moi sur Telluria et que j'ai passé le portail... Oui. C'est que j'avais peur. J'ai jamais eu aussi peur que depuis ces derniers jours. Lorsque je vois tout ce qui nous entoure, ces soldats prêts à massacrer, ces machines de guerre, ces tours qui feront déferler sur nous le mal, j'ai peur. J'ai peur plus que toute autre chose. C'est normal, Ben. N'importe qui... Mais je ressens aussi quelque chose qui m'étonne moi-même. Une sorte de force enfouie, cachée jusqu'alors au fond de moi. Je sais que nous pouvons vaincre, je ne sais pas comment, mais c'est possible. Supposons que t'aies raison et que l'on puisse faire quelque chose. Il nous faudrait déjà partir d'ici, sinon on pourrait rien faire. S'ils nous trouvent, ils nous tueront. J'ai entendu les gardes parler tout à l'heure quand je montais à la tour de contrôle. Et il semblerait que le portail soit activé en direction de la première planète qu'ils comptent envahir. Ils font des tests pour savoir s'il est stable. Ensuite, ils enverront une partie de leur armée sous 3 à 4 jours, le temps de finir les préparations. C'est notre ticket de sortie, ça. Il faut traverser, et au plus vite. Ça peut marcher. Ça doit marcher. Ensemble jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Reste maintenant à sortir de cette base. Ils sont à notre recherche. Et d'après ce que j'ai vu, il y a des contrôles. Certes, ça va être compliqué. T'aurais pas un autre de tes vaisseaux en stock ? Bien si, il me semble en avoir vu un autre, pourquoi ? Parce qu'on pourrait l'utiliser pour voler au-dessus de la base jusqu'au portail, et on éviterait de passer devant toutes les patrouilles. Tu l'as vu où ton vaisseau ? Viens, je vais te montrer. Il me paraissait en meilleur état à vue de là-haut. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais si ça se trouve, ils volent même pas. Mais si, regarde, ils volent, là. Tenir en l'air à 10 cm du sol grâce au propulseur de secours ne signifie pas qu'un vaisseau vole. Bon, allez, viens et tais-toi. John, si un type était en train de réparer les réacteurs, je me dis que peut-être, hein, qu'il valait mieux le laisser finir. On n'a pas le temps. Mais on va se scratcher. Mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Inutile, je présume, de te demander si t'as déjà piloté un vaisseau alien. Bah si, tous les jours. On va crever. Alors, j'appuie sur ça, j'active le système, et Et tu appuies sur les commandes au pif ! Fais pas semblant de savoir ce que tu fais ! Ah ! Ça va passer ! Remonte ! Ça passera pas ! Maintenant ! C'est bon, ça s'est stabilisé. Bien joué ! J'aurais pas cru que tu parviendrais. Portail, il est là. Fonce ! On traverse avec le vaisseau. Pas
pas le choix. Accroche-toi. Si on survit, j'attends pas les murs, garou. Dans le désert. On vient de se scratcher dans le désert. Ah, bordel, ça en est fallu de peu. Et on est vivant en plus. Non, mais j'ai toujours su qu'on passerait. Quelle couleur? Quoi? Bah le lémurien. Non, mais en fait, il s'entendrait pas avec Sweep. Donc bah voilà, en tout cas, bravo, hein, tu t'en es super bien sorti pour un premier vol. Te réjouis pas trop vite. Bah quoi, on a quand même survécu à un putain de crash de vaisseau, j'ai le droit d'être un peu content, non? Ouais. Bah va leur dire ça. Comment ça, à qui je... À eux. Mal au crâne. J'ai l'impression de m'être fait écraser par un wirk. Par un wirk? En quoi ce serait douloureux? Ah, ça se voit que tu sais pas à quoi ressemble un wirk. Ah, parce que tu sais, toi. Bah ouais. Dans la bibliothèque de la cité, il y avait des illustrations. Figure-toi que cette espèce avait des sortes d'écailles sur tout le corps et devait bien peser 200 kilos. Ah, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Quoi donc? Bah, comment on a fait pour se retrouver là? Eh bien, j'ai expliqué à nos hôtes que nous aimions l'humidité et la compagnie des cafards. Et figure-toi qu'ils m'ont pris au pied de la lettre. Non, t'as pas fait ça! Eh bien sûr que non, idiot. Ils nous ont assommés, d'où le mal de crâne, et mis ici certainement en attendant de savoir quoi faire de nous. Il faut qu'on leur explique qu'ils sont en danger, vite, avant qu'il soit trop tard. Je pense pas qu'ils vont t'écouter, Ben. Le type qui nous surveille est pas très ouvert à la discussion. Hé, hey, geôlier! Sortez-nous de là, on vient vous prévenir! L'invasion commence! Tu vois? Il en a rien à foutre. Je vois, je vois. Depuis combien de temps on est là? Bien 4 jours, pourquoi? 4 jours? Mais c'est la fin, ils vont arriver, on va tous crever! La ferme là-dedans! Non, mais je déconne, ça fait à peine 6 heures. Oh la vache, j'ai eu peur! T'as que ça à faire? Écoute, je suis assis là depuis 5 heures pendant que monsieur dormait, alors j'estime avoir le droit à une petite boutade. T'en veux une autre de blague? Dans 5 jours, cet endroit sera réduit en cendres! Alors c'est drôle! Et ben pourquoi tu te marres plus? C'est bizarre tout ça! Ah, pourquoi j'ai traversé ce foutu portail sur Terre? Si je t'avais envoyé balader, je serais en train de nourrir Sweep en regardant une énième rediffusion de Stargate à la télé! Mais non! Là je suis sur le point de crever, tué par des aliens! Nous! Comment ça, nous? Nous sommes sur le point de mourir! Ah, c'est vrai que la nuance rassure tout de suite beaucoup plus! Bref. Donc si on récapitule, on a été enfermé par les gens qu'on était venus sauver? En gros, c'est ça. Non mais c'est quand même le comble! Tu peux le dire. Et sinon, toi ça va? Hein? Bah je te demande si ça va! Ça t'étonne à ce point? Tu me prends vraiment pour un type qu'on a rien à foutre des autres? Tu crois que... Non, 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 c'est bon. Oui, 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 ça va. Bon, c'est toujours ça. Et le geôlier, il est où? Ah, j'en sais plus, je crois rien. Hé! Hey, le geôlier! Ouais? On voudrait bien sortir de là si possible. C'est ce qu'ils me disent tous. Ouais, mais nous c'est différent. Ça aussi tout le monde me le dit. Oui, mais nous c'est différent. Ben, calme-toi, si tu lui cries après, ça va pas faire avancer les choses. Certes.
Donc, en quelques termes simples, puisque vu ta tête, j'ai la modeste impression qu'on t'a versé trop près du mur. Nous venons de fuir une saleté de planète tellurique habitée par une espèce belligérante qui n'a d'autre volonté que celle d'envahir toute la galaxie. Et jusqu'à preuve du contraire, cette planète fait partie de la galaxie. Comment bien sûr que le portail nous ait envoyé dans une galaxie voisine, mais j'en doute. En gros, dans 5 jours au plus, une armée va arriver sur cette putain de planète grâce à des vaisseaux spatiaux, et nos gentils amis risquent fort de transformer ta très belle prison en tas de cendres. Hé hey, Parpa, Bob, reviens. Bob? Bah quoi, à défaut d'avoir son nom, je fais ce que je peux. D'autant que tout le monde connaît un Bob. Et puis ça sonne bien. Bob. 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 En plus, avec Bob, on peut faire des anagrammes. C'est comme kayak. Tu l'inverses, et bah ça fait toujours kayak. Bob, c'est bien. Mon chat, il s'appelait Bob. Ben, t'es sûr que tu vas bien? Je sais pas trop, j'ai... encore un peu mal au crâne. Mais bon, de toute façon, dans 5 jours, on est mort, alors j'en ai plus rien à carrer. Ils ont qu'à se débrouiller. Je rigolerai bien quand des vaisseaux viendront se frotter aux toitures de leur masure. Et d'ici là, je mangerai à l'œil. Tu entends, Bob? Je mangerai à l'œil. Quoi? Bah, ils donnent bien de la nourriture, quand même. Et de l'eau. J'en ai pas eu jusque-là. Tu m'excuses, faut que je pleure un peu. L'avantage, c'est qu'on sera mort de faim ou de soif avant d'avoir pu voir de plus près une nouvelle fois nos amis chevauchants de feu. Et puis compte pas sur moi pour m'égosiller après Bob pour lui faire entendre raison. J'ai tout comme l'impression qu'il est têtu dans son genre. Sur ce, je vous souhaite une agréable mort et je retourne à ma sieste. Calme-toi Ben, je sais que c'est pas facile pour toi et rassure-toi, ça l'est pas non plus pour moi. Mais si on abandonne maintenant, on aura fait tout ça pour rien. On aura découvert une magnifique cité, et quelle cité! On aura visité une planète ensablée pleine de mystères, on aura tué un général de la plus dangereuse espèce qu'il existe à l'horizon, et tout ça pour quoi? Pour abandonner la première résistance et mourir dans une cellule. Je sais pas pour toi, mais je resterai pas là lorsque l'invasion commencera, et je n'écouterai pas ce peuple hurler à la mort en attendant sagement sur mon lit. Oui... il faut faire quelque chose. Je crois que je suis un peu à cran. Un peu. Bon, c'est quoi le plan? Ah, je sais pas... on peut pas sortir de là sans aide. Rien à faire, tant qu'ils voudront pas nous faire sortir, on sortira pas. À moins d'un miracle, je... Un miracle, hein? Vous deux sortez d'ici, le sultan vous fait mander. Le sultan? Mais pourquoi? Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Taisez-vous et avancez. Espèce de silbateur à trois pattes, tu n'as pas vu la marche peut-être? Combien de fois je vous ai dit de regarder vous marcher en portant la vaisselle? Tu sais qu'elle vaut plus que tu ne pourrais gagner en 3 vies! Dépêche-toi de ramasser ça et retourne en cuisine! Incapable! Oui chef, ça ne se reproduira plus. J'espère bien, sinon tu auras affaire à moi! Oh regarde! Encore de sales cadenos! Ah. Certainement des enfants de rue recueillis par notre consultant. Bien trop bon, si vous voulez mon avis. Mon mari, lui, n'est pas aussi tendre avec cette racaille des bas quartiers. Comme je le comprends. Veuillez attendre ici, mon capitaine. Le sultan se prépare. J'ai comme l'impression que vous avez une question en tête, capitaine. Non. Enfin, je me demandais si votre tenue est assez décente pour rencontrer le sultan. Comment ça? Et qu'est-ce qu'elle a, notre tenue? Après toutes ces instructions, auriez-vous des hésitations? Le sultan vous attend, étranger. Nous allons devoir faire avec, de toute manière. Allez, avancez. Vous venez pas avec nous? Ce n'est pas moi que le sultan a invité, donc je n'entre pas. Mais n'ayez crainte, nous aurons le temps de nous revoir.
Ah, voilà nos mystérieux aventuriers. J'espère que les gardes ne vous ont pas trop maltraités. La lumière nous éclaire tous. Et je vois que Kera vous a informé de nos coutumes. Mais n'ayez crainte, vos vies ne sont pas en danger. Vous êtes dorénavant ici comme invité, car je doute que votre but soit de nuire, n'est-ce pas ? En effet. Voici mon plus éminent conseiller, Tetlan, et ma fille, Ilin. À qui ai-je l'honneur ? Mon nom est John Sonny et mon ami s'appelle Ben Wilzora. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes là pour vous prévenir de l'invasion. Une invasion ? Quelle invasion ? Celle que vous deviez préparer, espion que vous êtes ? Nous, des espions ? Vous vous trompez d'ennemis, conseiller. Vous ne connaissez certainement pas les chevaucheurs de feu, mais sachez que leur armée sera ici dans quelques jours. 5, pour être plus précis. Les quoi ? Les chevaucheurs de feu ? Oui, il s'agit d'une espèce technologiquement avancée déterminée à envahir notre galaxie. Attendez, que nous racontez-vous là ? Le sultan vous invite généreusement dans son palais, dans sa demeure, et vous l'insultez avec de pathétiques mensonges justifiant votre présence sur nos terres ? Vous n'êtes sans nul doute pas ce que vous prétendez être. Du calme, Tetlan. Ce qu'ils sont, nous le découvrirons lorsque l'heure sera venue. Ces hommes ont fait un long voyage et le soleil a dû taper bien fort dans le désert. Mes amis, vous êtes nos invités jusqu'à nouvel ordre. Nous avons préparé des chambres pour passer la nuit. Quant à la journée de demain, ma fille vous accompagnera et vous fera visiter notre magnifique cité. Le temps de nous fixer sur votre véritable identité. Père, non ! Ne m'imposez pas ça, vous savez très bien que je n'aime pas faire les guides. De plus, j'ai affaire demain. Mon sultan, vous n'allez pas offrir l'hospitalité à ces brigands de grand chemin. Ces espions probablement envoyés par les cités nordiennes. Et en plus de cela, mettre votre fille entre leurs mains. Il suffit. Ma fille, tu feras ce que je t'ai dit de faire, que cela te plaise ou non. Quant à vous, Tetlan, je pense que vous la sous-estimez. Elle manie mieux les armes que tous ceux qui sont réunis dans cette pièce. Je ne la considère donc pas comme en danger. Et pour ces hommes, sachez que même les bandits sont mieux équipés qu'eux. S'ils en étaient, alors ce seraient de bien piètres voleurs. Maintenant sortez. Sauve-toi, Tetlan. Je dois te parler. Princesse. Venez, je vais vous amener jusqu'à vos appartements. Où est le capitaine ? Elle est retournée dans son bureau situé dans l'aile est. Suivez-moi. Voilà, vous êtes arrivé, Kiras. Kiras ? Il s'agit d'un titre prestigieux, destiné aux invités du sultan Kiras. Si Kiras signifie invité, que veut dire Kadenos ? Eh bien, il s'agit d'un terme plutôt péjoratif désignant des étrangers. Ah, je vois. La bêtise est galactique, apparemment. Merci, l'ami. Je pense que nous saurons quoi faire à partir d'ici. Très bien. Demain, la princesse Iline vous fera visiter la ville comme prévu. Bonne soirée, Kiras. Et reposez-vous bien. Bonne soirée. On va essayer. Ah, et y a-t-il un moyen d'avoir une vue sur la ville depuis le palais ? Si vous remontez un peu avant ce couloir en rebroussant chemin, vous devriez avoir accès à des balcons sur votre gauche, Kiras. Mais je vous demanderai de ne pas vous aventurer plus loin. Invité est un terme plutôt large sur cette planète, d'après ce que je vois. Puis-je faire autre chose pour vous ? Non, je vous remercie. Ah, je sens qu'on aura du mal à leur faire comprendre le danger. Et comment réagirais-tu si un beau matin, deux individus dont tu ignores tout venaient te voir pour te dire qu'une race alien s'apprête à envahir ta planète ? En prenant évidemment en compte que tu ne connais rien de l'espace, si ce n'est la présence d'étoiles et de quelques astres, ce qui tient plus du mythe religieux que d'une véritable science. Présenté comme ça... Mais ne t'inquiète pas, tout n'est pas perdu. Si nous parvenons à obtenir la confiance de la princesse, on pourra certainement lui faire entendre raison. À elle et à son père. Reste à trouver comment. Soyons des invités modèles demain, et profitons-en pour en apprendre un peu plus sur ce peuple. Oui, et dans 2 jours, nous n'aurons qu'à essayer de reparler au sultan. Avec un peu de chance et de persuasion, il nous écoutera cette fois. Ce qui m'inquiète, c'est ce Tetlan. Il n'a pas l'air prêt à nous écouter. En effet, il faudra le surveiller. Bon, sur ce, je vais me coucher. Et vu comme c'est parti, on va marcher un bon moment demain. Ça nous changera. Quoique, en fait, pas tant que ça. Bonne nuit. Lancement de l'enregistrement. Carnet de bord audio. Entrée numéro 6.
envoyer des gardes me sortir du lit, c'est tout de même un peu fort. Au moins, il pouvait pas te rater. Vu comme tu ronfles, il pouvait pas se tromper de chambre. D'abord, je ronfle pas. Oh, je t'entendais ronfler depuis ma chambre. Et ensuite, j'estime en tant qu'invité avoir le droit à un minimum d'égards. Ah, vous voilà enfin. On a beaucoup à voir et moi autre chose à faire. Donc si on pouvait finir ça vite, ça m'arrangerait. Suivez-moi. Bien le bonjour, princesse. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Toi, rien. Par contre, elle s'est levée du mauvais pied. Vous avez changé de tenue? Ouais, on a reçu ces habits d'un garde qui nous a demandé de les mettre pour pas effrayer les passants. J'ai pas tout à fait compris la portée de son message. Mais l'important, c'est que maintenant, on a des habits de passe-partout. Ouais, ils vous vont bien. Comment? Merci, princesse. Donc, devant nous, le marché de notre belle cité de Terrancil. C'est sublime! Hé, hey, regardez-vous marcher! Très agité, mais sublime. La ville a été construite il y a combien de temps? Son origine remonte à un peu moins de 3 siècles. Elle fut fondée par un groupe de nomades qui voulut s'installer près de la source que vous avez certainement vue sur la montagne proche du palais. Depuis, elle n'a cessé d'évoluer et ressemble aujourd'hui à ce que vous pouvez voir autour de vous. Mais Terrancil n'est pas la seule ville de la planète, n'est-ce pas? Non, évidemment. Vous devriez le savoir. Mais c'est la seule de ce désert, car construite sur l'unique source à des lieux à la ronde. Bien plus loin, derrière ces murailles de sable, existent d'autres contrées habitées également. Mais si vous êtes perdu au milieu du désert, pourquoi tous ces murs? Vous avez des ennemis? La source est à nous, mais plusieurs groupes mercenaires ont tenté leur chance par le passé. De plus, nous avons effectivement eu des contentieux avec d'autres cités. Les cités nordiennes? Oui, vous venez de là-bas, n'est-ce pas? Du tout, c'est juste qu'hier soir, Tetlan nous a accusés d'être des espions à la solde des cités nordiennes. Mais d'où venez-vous alors? Eh bien, comme nous vous l'avons dit, princesse... Vos fruits m'ont l'air très appétissants, puis-je... Marchand, 3 vlèmes, s'il vous plaît. Je sais ce que vous avez dit, mais ça n'en est pas moins invraisemblable qu'hier. 3 pièces d'argent, princesse Illy. Mettez ça sur le compte du palais. Bien, princesse. Bonne journée à vous aussi, Kiras. Si besoin, pourriez-vous compter sur l'aide d'alliés? Une autre cité, par exemple? Je ne pense pas. Pour en revenir à votre histoire d'invasion, à supposer qu'elle soit vraie, il nous faudrait environ 2 jours pour traverser ce désert, et tout autant, si ce n'est plus, pour revenir avec une armée vraiment hypothétique. Mais je ne vois pas pourquoi nous en aurions besoin. Il ne fait aucun doute que vous avez inventé tous ces mensonges pour être accueillis parmi nous. Je ne comprends pas pourquoi mon père vous a fait toutes ces faveurs. Mais sachez que vous ne me bernerez pas. Je vois. Je peux comprendre votre méfiance, évidemment. Laissez-nous le temps de vous prouver que nous ne sommes pas ce que vous supposez. Ouais. C'est bon, ce truc. Comment ça s'appelle, déjà? C'est un vlème, un fruit très courant sur Saoria. Saoria est le nom de votre planète, je suppose. Ouais. J'aime bien ça, en tout cas. Hein. T'as goûté, John? Non. Très bon, en effet. Et comment vous faites pousser ces fruits? Dans le désert, ça doit pas être facile. Grâce à la source, nous avons des terres cultivables. Peu, mais suffisamment pour assurer de la nourriture à la population. Les champs sont situés à l'extérieur des murs, au-delà de la porte nord. J'aimerais bien voir ça, je suppose que vous avez un système d'irrigation. Je vais vous montrer. Venez. Superbe! Et ingénieux, les canaux. C'est vrai que la vue vaut le détour. La source est en haut de cette colline. Et le canal que vous voyez là amène l'eau jusqu'aux cultures. En cas de guerre, n'est-ce pas une faiblesse d'avoir les cultures à l'extérieur des murs? C'est vrai qu'au cas d'attaque, si l'ennemi nous prive de l'approvisionnement en vivres... Vous serez alors sans ressources et votre peuple mourrait à petit feu en attendant que la famine l'emporte. Certainement. Mais nous avons de la ressource, soyez-en certains. Personne n'a encore jamais pris cette ville, et je veillerai à ce que ça ne change pas. D'un autre côté, je vois pas comment ces champs auraient pu tenir dans l'enceinte de la ville, y a pas assez de place. C'est pour ça qu'ils sont là. Ce n'est pas un choix, mais une nécessité. Nécessité et choix, c'est étonnamment pareil. La différence est que dans le cadre du premier, personne n'a trouvé d'autre issue. Ça ne veut pour autant pas dire qu'elle n'existe pas. John, je te trouve étonnamment réfléchi. Je ne suis pas idiot, si c'est ce que tu supposes. John, je rigolais, John! Quelque chose ne va pas avec votre ami? Disons qu'il est un peu à cran. Et c'est justifié. Vous n'avez pas vu ce que nous avons eu le malheur d'entrevoir? Jusqu'à ce que nous quittions notre planète il y a de cela quelque temps... Quitter votre planète?
Vous n'essayez pas encore de me faire croire que vous venez d'une autre planète, quand même. Non, du tout. C'est vrai qu'on se fond plutôt bien dans le paysage. Ne mentez pas, il est impossible de... Comment ? Impossible de quoi ? De voyager d'une planète à l'autre en créant une voûte de données allant d'un portail à un autre ? Ou peut-être parlez-vous du voyage pur et simple par vaisseaux spatiaux, exploitant l'énergie fossile, solaire et même parfois l'énergie du vide ? Écoutez-moi bien, princesse, la vie n'a aucune limite. Et vous savez pourquoi ? Car les limites, ce sont nous qui nous les imposons. Il suffit d'hommes suffisamment fous pour y croire, et tout devient possible. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je fais partie de ceux-là. Vous voyez ce ciel comme une barrière. Je le vois comme une fenêtre grande ouverte sur une infinité d'autres endroits différents, tout point de celui que mes pieds foulent actuellement. Vous semblez si sûr de vous. Ça paraît totalement dingue. Même le meilleur des agents ne pourrait pas feindre l'ignorance à ce point. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Socrate, un philosophe de ma planète. Bon, on va pas passer la journée là. Vous avez autre chose dans votre sac ? Après tout, autant finir la visite avant de parler des choses qui fâchent. Suivez-moi. Et Iline ? Oui ? Et vous ? Êtes-vous de cela ? Je ne sais pas. Donc, nous voilà à la caserne de la ville. La caserne accueille la garde chargée de surveiller la cité et de faire régner l'ordre dans les rues. Ah ! Le faucheur s'approche, et tandis qu'il est tout près, ta vie s'enfuit. Méfiance, mon ami, méfiance, car la mort est joueuse. Quand une époque se perd dans son propre sang, une autre renaît, et avec elle, l'espoir s'embrase. S'embrase avant de s'éteindre. John, ça va ? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez bien ? C'était quoi ça ? J'ai encore eu une de ces visions. Quoi ? Des visions ? Ça fait plusieurs jours que je fais des rêves étranges. Mais c'est la première fois que j'ai un flash alors que je dors pas. Si c'est un de vos stratagèmes, je vous préviens, je... Princesse, loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais si vous pouviez vous taire pour le laisser parler, ça m'arrangerait. Je ne vous permets pas de... Princesse ! Oh ! S'il vous plaît. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ces visions ? Plein de choses. Et là, t'as vu quoi ? Tu me prends pas pour un fou ? Je veux dire, j'ai des saletés de visions. Moi, je me prendrais pour un fêlé. Après tout ce qu'on a vu, si je devais m'arrêter à tout ce que je trouve fou, on n'avancerait pas beaucoup, John. Ouais, c'est pas faux. Eh bien, c'est la deuxième fois que je vois... Enfin, que j'ai cette vision-là. La première fois, c'était juste avant de désactiver la cryogénisation. Je me retrouve dans une cité, un peu comme celle-ci. Et je suis poursuivi par des chevaucheurs. Attends, tu dis que tu as fait ce rêve avant la décryo ? Oui. Les rêves sont parfois bien étranges. Si seulement c'était qu'un rêve, Ben. Si seulement. Je vois. Et comment finit cette vision ? Je meurs. Quoi ? Je me fais tuer par un chevaucheur. Certainement pas n'importe lequel, vu ses habits. Ils sont encore plus travaillés que ceux de Drix. C'est donc un général, si ce n'est plus. Je ne sais pas comment nous devons interpréter tout ça. Si tu as d'autres visions de ce genre, tu m'en parles, d'accord ? D'accord. Vous allez mieux, John ? Oui, princesse. Je vous remercie. Ne refaites plus jamais ça. J'ai cru que... Vous avez eu peur ? Non, enfin... Nous avons encore pas mal de choses à voir, suivez-moi. Mais vous devriez vous reposer. Elle a eu peur. C'est bien ce que je me disais. Voici Keira, capitaine de la garde. Keira, je te présente Ben et John, deux voyageurs lointains, si j'en crois leur dire. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés, capitaine. John, un collègue à toi. Ben. Comment ça, collègue ? Sur ma planète, John fait partie de l'armée. Votre planète ? Faisait. Oui, bon, ne chipote pas. Quel est le rôle de la garde, juste ? Défendre la ville ? Oui et non, en vérité, le rôle de la garde est de protéger la population. Nous nous chargeons de surveiller les rues, d'arrêter les criminels, mais nous ne sommes pas là pour nous battre contre les ennemis extérieurs. L'armée est commandée par le général Kenorin. Je n'interfère nullement dans ses décisions. Il en va de même pour lui. Pourquoi cette séparation entre la garde et l'armée ? Ça ne serait pas plus simple de faire une armée unique qui protégerait le peuple et à la fois défendrait la cité ? Voyez-vous, l'armée est là pour combattre les ennemis de la cité. La garde, quant à elle, est là pour protéger la population, parfois d'elle-même. Le risque, si l'armée venait à prendre notre place, telle que vous le supposez, serait que la population devienne l'ennemi de la cité.
ce que nous devons éviter à tout prix. Je vois. Remarque pertinente, capitaine. Nous n'allons pas vous monopoliser plus longtemps, Kaira. Vous pouvez y aller. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, Kiras. Sur ce, je vous laisse. Bien, il ne reste plus que le palais à voir. Très bien, princesse. Nous vous suivons. Eh bien, la visite est officiellement terminée. Enfin. Le passage par les cuisines était-il vraiment obligatoire ? Oui, c'était très bon. J'approuve le détour effectué pour y aller. Je vais devoir vous laisser pour aller à mon entraînement avec Vanor, le maître d'armes. John, tu veux venir ? Oui, ce sera avec joie. Quant à toi, Ben, je pense que la bibliothèque du palais te plaira. Vous... Tu es sérieuse ? J'ai bien vu comment tu regardais toutes ces étagères de vieux livres. Si tu veux, tu peux aller lire autant que tu le souhaites. Merci beaucoup, j'y fonce de ce pas. Eh, tu commences à connaître un petit peu. Je commence à vous connaître tous les deux un peu. Et j'avoue que, contrairement à ce que j'aurais pu croire, cela ne me dérange pas, bien au contraire. Je vois. Je ne saurais pas l'expliquer, mais... Mais ? J'ai le pressentiment que ce que tu dis est peut-être vrai. Mais il m'est impossible de te croire, c'est totalement dingue ! Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne peux que comprendre. Mais il arrivera un moment, Eileen, où, pour le bien de ton peuple, tu devras mettre tes doutes de côté et préparer cette ville à ce qu'elle va devoir affronter. J'aimerais un jour pouvoir te montrer le quart de ce que nous avons découvert. Qui sait ? Peut-être en auras-tu un jour l'occasion ? Alors, princesse, on arrive en retard, cela ne vous ressemble pas. Mais je vois que vous êtes bien accompagnée, peut-être que ceci explique cela. Vanor, ce n'est pas... On commence quand tu auras décidé de faire bouger tes articulations rouillées. Toujours aussi impétueuse. Prenez une arme, je vous attends pour votre correction du jour. Aujourd'hui, je t'aurai. Tout comme avant-hier, et le jour d'avant encore. N'omettez pas les autres jours juste parce que je vous ai battu ces fois-là. John, regarde bien car après c'est ton tour. Quoi ? Eileen, je suis pas sûr que... Mais si. Bon, d'accord, mais attends-toi à rire. Peu de gens ont cette chance, vous savez. Comment ? De quelle chance parlez-vous ? La chance de lui dire « tu ». Je n'ai également pu que remarquer comment la princesse vous parlait et vous observait. Étonnant. Que voulez-vous dire ? Ce que je dis, c'est qu'elle vous considère comme suffisamment proche pour vous tutoyer. Et les seules personnes qui ont cet honneur sont son père, son maître d'armes, et vous. Je ne vois pas tellement où vous voulez en venir. Général Kenorin, Kiras. Général, sachez qu'il manque une personne dans votre liste. Ben. Oui, votre ami. Mais cela n'a sans doute pas la même signification. Je ne saurais dire pour quelle raison elle vous tient en si haute estime, mais son regard crie la vérité. Je n'ai pas vu ce que vous me décrivez là. Évidemment que non, vous avez le même regard. Ne vous en faites pas, je dirais pas le cri sur tous les toits. Mais il y a quelque chose qui m'interroge. Et quelle est cette chose, général ? Vous. Moi ? Oui, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet de votre ami et vous. Des rumeurs indiquant que vous viendriez de très loin d'ici, au-delà même de nos étoiles. Je vois. C'est une histoire un peu folle. Si vous saviez. J'aimerais que vous me la racontiez. Vous... Ça risque d'être assez long. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Mais sachez que j'ai envie de vous croire. Il est évident que vous ne venez pas d'ici. Toutefois, je ne parviens pas à m'imaginer l'univers tel que vous nous le décrivez. C'est un peu comme tenter de décrire les couleurs à une personne qui n'a jamais ouvert les yeux. Vous aurez beau lui parler de teintes, de pigments, il lui sera impossible de se figurer de quoi vous parlez, et elle vous croira en plein délire. Oui.
J'aimerais beaucoup que vous me racontiez votre histoire. À bientôt, John. À bientôt, Général. Et merci. Merci. Pour ce que vous avez dit à propos d'Ile, de la princesse, j'étais pas certain de... Enfin, vous voyez. Vous avez ouvert les yeux d'un aveugle. Je vous raconterai mon histoire la prochaine fois que nous nous verrons. Profitez de la chance que vous avez, mon ami. Profitez de la lumière et ne fuyez pas son éblouissante beauté. La lumière nous éclaire tous. Alors, on se repose ? Bravo, princesse. Une fois de plus, vous m'avez vaincue. Je ne sais plus trop qui est le maître de l'élève. Votre sagesse répond à votre question, maître. Merci, princesse. Nous remettons ça demain, alors ? Revenez-nous avec la même détermination, il ne fait aucun doute que vous gagnerez une fois de plus. Je veillerai à corser un peu l'exercice. Je suis déjà impatiente. John, tu viens, c'est ton tour. Venez, l'ami, nous allons voir ce dont vous êtes capable. J'arrive, Ilyn, mais je ne suis pas sûr que... Et pour cette fois, tu te battras contre moi. Ce soit une bonne idée, je... Quoi ? Qu'y a-t-il ? Aurais-tu peur de te battre contre moi ? Le grand John Sony, soldat de métier, aurait peur de se battre contre une pauvre femme sans défense ? Sans défense, hein ? Je ne sais même pas me servir d'une épée. Le couteau, oui, l'épée... Mais c'est l'occasion d'apprendre par la pratique. Avant la pratique, on n'est pas censé commencer par la théorie. Très bien, puisque tu le demandes. Ceci est une épée, tu la tiens par le manche, tu pointes vers l'ennemi et tu l'embranches dès que possible. Maintenant, passons à la pratique. Ah, dit comme ça. Mais très bien, puisque tu veux jouer à ce jeu-là, jouons. J'aime mieux ça. Vanor, veux-tu bien faire l'arbitrage ? Et pour information, ce sont des épées d'entraînement. Tu ne risques rien si ce n'est un peu de sang à l'air libre. Ou au pire, une côte brisée. Ah ! Bon, bah si ce n'est que ça, alors... Évidemment, ceci est un entraînement. Le combat s'arrête quand l'adversaire est au sol. Allez-y ! Yeah ! Ah ! Ah ! Reste concentré ! Ha ! Tu as des capacités, c'est évident. En effet, vous pêchez plus par technique que par manque de force ou même de détermination. Que dirais-tu d'assister au cours avec moi demain ? Tu pourras sans doute apprendre des choses et te perfectionner. Ce sera avec plaisir, Ilyn, que je viendrai. J'ai pas mal de choses à apprendre, en effet. Bon, sur ce, Vanor, nous allons rentrer au palais. À demain ! À demain, princesse ! Et à demain, Kiras, puisque j'ai l'impression que nous allons nous revoir souvent. J'en ai l'impression, moi aussi. Quoi ? Oh, rien. Sacré banquet. En effet, j'ai jamais aussi bien mangé. Bon, ils prennent certes nos mises en garde pour des salades, mais au moins ils les préparent bien. Quoi donc ? Eh bien, les salades. Quelles salades ? Mais tu m'écoutes depuis tout à l'heure ou je parle dans le vide ? Bah excuse-moi, je suis un petit peu distrait. C'est sûr que les chevaucheurs de feu ont de quoi occuper l'esprit. Ce sont pas les chevaucheurs qui me perturbent. Avec eux, je sais à quoi m'en tenir. Dès demain, nous essaierons d'avoir une audience avec le sultan ou ce conseiller Tetlan. Car quelque chose me dit que c'est lui que nous devons convaincre. Bien. Mais alors, qu'est-ce qui te rend distrait comme ça ? C'est le décalage horaire, la nourriture, la... La princesse ? Quoi ? Non, pas du tout, c'est pas ce que tu crois. Ton empressement à me répondre parle pour toi. Alors, cette séance d'entraînement, c'était bien ? Tu l'as laissé gagner au moins, galant homme que tu es. Oh, mais elle avait pas besoin d'aide, hein. Elle m'a mis une belle dérouillée sans trop de problèmes. D'ailleurs, j'y retourne demain. Je vois. Étonnant de sa part. C'est vrai, maintenant, elle va devoir te supporter à tous les entraînements, à moins que... À moins que quoi ? À moins que ce soit ce qu'elle avait prévu, John. Hein ? Peut-être qu'elle t'a emmené là-bas volontairement. J'oserais dire que tu as une touche. C'est bizarre, mais je n'aurais pas cru que tu aurais autant de mal avec... Avec ? Eh bien, avec les femmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Plus ou moins. Disons que le cas présent sort un peu de l'ordinaire, si tu vois ce que je veux dire, Ben. Bah, si on enlève les ennemis censés arriver dans quelques jours pour raser l'endroit, le fait qu'on soit sur une autre planète probablement à des centaines d'années-lumière de la Terre ou ne serait-ce que de la cité, je trouve que la situation est plutôt coutumière. Elle est exceptionnellement différente.
Méfie-toi, réfléchis bien avant de lui dire un truc du genre, parce que ça peut être interprété d'une multitude de façons. Ben. Je blague. Mais n'oublie pas que nous avons des soucis plus importants. Je ne dis pas que tu ne dois pas... Enfin, juste n'oublie pas ce que nous sommes venus faire ici. T'en fais pas pour ça, je risque pas de l'oublier. Je la connais pas depuis longtemps et pourtant... Je sais pas, Ben. Je ne suis certainement pas le mieux placé pour te donner ce genre de conseils, vu ma piètre expérience dans le domaine. Mais je pense que tu devrais te jeter à l'eau. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Pour ce qui est de la semaine prochaine, n'en parlons pas. Si tu ressens quelque chose, je pense que tu devrais lui dire. Tu as sans doute raison. Ben ? John ? Alors, de quoi parlez-vous par cette belle nuit ? Oh, mais de rien d'important, Eileen. Justement, je t'attendais. En vérité, je lui faisais part de ma théorie sur notre place dans l'univers. Comment ne pas avoir de l'humilité lorsque l'on sait que nous ne sommes que des poussières s'accrochant à un grain de sable perdu au milieu du désert ? Métaphore de l'environnement gigantesque qui nous entoure, qui nous embrasse dans les serres de notre bulle locale. Non. Je vois. Laisse-le rire, c'est juste qu'il comprend pas tout. Mais et toi, Eileen, que fais-tu là ? Eh bien, j'avais fixé rendez-vous à John pour lui montrer la vue depuis les murailles la nuit. Vous m'en direz tant. Oui, nous allons sur les murs profiter de cette nuit étoilée pour observer l'horizon. Eileen tenait à me montrer, en tant qu'invité, cette merveille, m'a-t-elle dit. J'imagine bien, oui. Tu veux venir avec nous, Ben ? À moins que tu aies d'autres choses autrement plus importantes à faire ailleurs. Autrement plus importantes, hein ? Ouais. Non pas que je te pousse à ne pas venir, loin de là, hein ? Ne t'inquiète pas, je... Je ne m'inquiète pas, c'est juste que... Je ne compte pas vous accompagner tous les deux. J'ai effectivement quelque chose à faire. Ah ! Dommage ! Bien. Et quelle est cette chose que tu dois faire ? Cela tient certainement tout autant que vous, au plaisir de profiter d'une belle nuit comme celle-là pour découvrir ce qui m'entoure avec un regard neuf. Il se dit qu'une ville a toujours deux visages, tout au moins. Un le jour et un autre la nuit. J'ai vu Terrancil de jour, il ne me reste plus qu'à la voir de nuit pour commencer à gratter un peu la surface de son fonctionnement. Fais attention tout de même. Oui, bon, on sait jamais, des fois que je sois attaqué par une horde de vendeurs de Vlem et que je dépense tout l'argent du palais. Tu en serais bien capable. Tu sais ce que j'ai voulu dire. Bon, eh bien, bonne soirée, Ben, et à tout à l'heure. Tu viens, John ? Oui, je te suis. À tout à l'heure, admirez bien la vue. Et John, ne te trompe pas de dune. Prêt à ouvrir les yeux ? Après avoir monté les escaliers à l'aveugle et manqué de tomber deux ou trois fois, plutôt oui. Alors ouvre-les. Regarde, la vue n'est-elle pas magnifique ? Ok, oui, elle l'est. John, Eileen, je voulais te dire... Ah, toi d'abord. Bien. Ça fait peu de temps que je suis ici et pourtant je commence à m'attacher à cette planète. Ah ? Et plus précisément à une personne en particulier. Une personne exceptionnelle en tout point. Et cette personne, est-ce que je la connais ? Je dirais que oui. Plutôt très bien même. Mais je ne sais pas si cette personne a les mêmes sentiments à mon égard. Eh bien, John... Qu'est-ce qui se passe là-haut ? C'est l'alarme de la forteresse. Il doit y avoir un problème. Il faut aller voir. Viens vite. Halte ! Ta route s'arrête ici, tout autant que ta vie. C'est assez lyrique dans le genre. Vous permettez, je vais m'en aller, hein. Ça risque de pas trop être possible. Je peux savoir ce que vous me voulez ? Il me semble que nous te l'avons déjà dit. Juste ta vie. Mais qui êtes-vous, bon sang ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui en a, par contre, c'est que toi et ton ami êtes une menace pour la lumière des chevaucheurs. Quoi ? T'en fais pas, mon gars. Ça fait mal qu'un temps. Après... Ça passe.
N'approchez pas! Non! Ah! Vous allez mourir! Qu'est-ce qui se passe? Les dés sont censés être sans défense! Et au lieu de ça, on se retrouve avec un hypnotechnicien! Maniez-vous de le buter! Il a commencé à frapper les hommes en faction. On a... Calme-toi, soldat. Que s'est-il passé? On a essayé de l'arrêter, mais il a tué Shelton. Puis il a embroché Alan. Je l'ai frappé du plat de mon épée sur les côtes pour le calmer. Ça n'a pas suffi. Il s'est jeté sur moi et j'ai juste eu le temps de sortir ma dague avant. Je l'ai tué, princesse. Désolé, je voulais pas. J'ai pas eu le choix. Ne t'en fais pas, tu n'y es pour rien. Va te reposer. Qu'est-ce qu'il se passe, John? J'en sais rien. Hey, soldat! Oui, Kiras? A-t-il dit quelque chose d'autre avant de se jeter sur vous? Oui, il a parlé de cavaliers de feu, je crois. Pas des cavaliers de feu, des chevaucheurs! Oui, c'est ça! John? Les chevaucheurs ont des pouvoirs qui leur permettent de s'insinuer dans les pensées. J'ai été victime d'un général dénommé Drix. Il s'est infiltré dans mon esprit comme s'il avait ouvert un livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chevaucheurs peuvent lire une partie de nos pensées, mais aussi les obscurcir, et qui sait, les contrôler. En es-tu certain? Ce n'est peut-être pas... J'ai parlé au général cet après-midi. Il m'avait tout l'air d'un homme sain d'esprit. Pas le genre à prendre une lance et à tuer ses propres hommes sur un coup de tête. Non, il n'a pas fait ça de son propre chef, c'est évident. C'est impossible. Nous n'avons rien fait contre ces chevaucheurs. Pourquoi s'en prendrait-il à nous? Ce n'est pas logique. Je sais pas, Eileen. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils comptent envahir toute la galaxie. Pour eux, vous n'êtes qu'une étape. Après vous, d'autres peuples subiront le même sort. On est venu ici pour vous avertir et tenter de vous aider. Pas visiter votre ville, aussi belle soit-elle. Nous devons prévenir mon père. Viens vite. Attends, où est Ben? Là. Putain d'escalier. Où étais-tu? Ah, j'ai eu quelques soucis avec la faune locale. Et qu'est-ce que tu racontes? Je t'expliquerai tout à l'heure. J'ai l'impression que nous avons des soucis plus importants. Qu'est-il arrivé au général? Son esprit a certainement été contrôlé par un de vos chevaucheurs de feu. Il a tué plusieurs de ses hommes avant d'être arrêté par l'un d'eux. Vous nous croyez maintenant? Ou il vous faut du plus spectaculaire? Peut-être qu'une dizaine de morts en plus rempliront les quotas pour commencer à se poser des questions. C'est bon, Ben. Elle nous croit. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va prévenir mon père, le sultan. Bonne idée. Princesse! Kiras. La garde a trouvé 3 cadavres dans les rues de la ville. Vu leurs habits et leurs possessions, ce sont certainement des mercenaires. Peut-être est-ce lié à ce qui vient de se passer. Alors non. Cela, c'est moi. Quoi? J'ai dit que je vous expliquerai tout à l'heure! Nous avons quelque chose de plus important à régler, là! Ben, je sais pas ce que t'as foutu, mais t'as intérêt à avoir une bonne justification. J'en ai une lumineuse. Dépêchez-vous, nous réglerons ça plus tard avec la garde. Père! Eileen? Que fais-tu là à cette heure-ci, ma fille? Tu es au courant pour Kenorin? Oui. Et cela m'attriste au plus haut point. T'a-t-on parlé de ces derniers mois avant de mourir? Et dans quelles circonstances il a perdu la vie? Je vois mieux ce qui vous amène. Je me doutais bien que nous devrions en reparler. Mais de quoi parles-tu? Des deux jeunes gens qui t'accompagnent, et de ce qu'ils font ici. Je ne t'ai pas tout dit. Je suis au courant pour la prophétie, et donc pour eux. Quoi? Comment? Nous avons découvert il y a ça plusieurs décennies un sanctuaire. Ce sanctuaire était en fait un temple à l'origine. Bien qu'il soit dorénavant dédié à Dinuil, astre de la nuit, il ne semblait pas initialement avoir été construit pour une quelconque divinité. Quand nous l'avons découvert, ce qui déjà était totalement un hasard car nous creusions la roche pour construire des zones habitables supplémentaires, nous ne savions pas ce qu'il représentait. Aujourd'hui encore, son véritable sens nous échappe. Toutefois, nous avons trouvé dans la structure une pierre sur laquelle étaient gravées plusieurs instructions. Nous ne l'avons pas comprise tout de suite, tu penses bien. Il s'agissait d'une écriture inconnue, mais avec le temps, nous sommes parvenus à la retranscrire dans notre langue. Il s'agissait d'une prophétie. La complémentarité et l'union de deux tout devra transcender l'ombre et le feu aux lueurs du quatrième cycle, ou alors le néant enveloppera la galaxie et mettra fin à sa genèse. Oui, c'est exactement ça. Une confrérie fut créée pour surveiller le sanctuaire et tenter de comprendre les mystères qu'il dissimulait, lui et sa prophétie. Il s'agit de l'ordre du Zaniam Bleu, ordre dont je fais partie, et Tetlan aussi, entre autres. Et pourquoi nous avoir caché tout ça? Nous devions être certains qu'il s'agissait bien de vous deux dont il était question dans la prophétie avant de faire quoi que ce soit. Il n'était dit nulle part que notre monde serait menacé.
De l'espoir d'avoir enfin des réponses, nous sommes passés à l'étonnement et au scepticisme. Maintenant, on ne peut plus douter au moins. C'est exact, ma fille. Toutefois, Tetlan continue de penser que vous n'êtes pas les deux élus. Il vous imaginait autrement. Au diable ce que pense cet idiot ! Iline... Je m'imaginais pas comme ça non plus, si ça peut le rassurer. Nous devons agir, mes amis. La survie de notre peuple en dépend. Vous dites donc que dans quelques jours, ces chevaucheurs de feu arriveront ? Il ne nous reste que 3 jours maintenant. C'est peu. Notre méfiance nous aura menés à notre perte. Ne dis pas ça, Iline. Nous vous laisserons pas tomber. Je suis certain qu'on peut faire quelque chose, n'est-ce pas, Ben ? Peut-être bien. Je pense que nous devrions commencer sérieusement à étudier les défenses de la cité. Quant à moi, j'irai faire un tour dans ce fameux sanctuaire pour en apprendre plus. Une bonne idée. Une partie de nos informations sont dissimulées dans la bibliothèque de l'Ordre. Je vous montrerai. Vous devriez passer aussi par là dans les plus brefs délais. Nous apprendrons certainement quelque chose. Également, j'aimerais faire des recherches sur l'éventuelle présence d'un portail. Celui qui nous a amenés ici a été matérialisé par les chevaucheurs depuis leur base d'opération. Mais si vous nous dites qu'il y a un sanctuaire avec la prophétie, je pense que nous devrions peut-être pouvoir trouver une stèle d'activation quelque part. Inutile. Comment ça ? Si nous pouvions trouver le portail, nous pourrions faire évacuer si besoin une partie de la population sur une autre planète. De plus... Vous m'avez mal compris. Je ne dis pas qu'il est inutile de s'intéresser à votre portail. Je dis qu'il est inutile de le chercher. Vous savez où il est ? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions pas de quoi les écrits parlaient. Mais désormais, et grâce à vous, nous savons. Oui, je sais où est la pierre d'activation du portail, qui devrait nous permettre d'accéder à ce dernier. Et je vous la montrerai dès demain. Père, qu'en penses-tu pouvoir rassembler le conseil ? Demain, en première lueur. Nous avons peu de temps, il va falloir l'exploiter minutieusement. En attendant, allez vous reposer. Nous ne pouvons rien faire de plus ce soir. Je fais mander des messagers pour informer les conseillers de la cité et également ceux des autres villes. Les autres cités ? Père, penses-tu que... Je ne sais pas, ma fille. Nous avons encore quelques alliés et peut-être répondront-ils présents face à la menace qui arrive. Mais même alors, rien ne nous dit qu'ils arriveront à temps. Espérons qu'ils viendront, car sinon la guerre sera courte. Une guerre suppose 2 camps de puissance égale. Nous ne nous préparons pas à une guerre. Nous nous préparons à survivre à un combat. Un combat entre le feu et des grains de sable. Dans 3 jours, nous serons prêts, Sultan. Prêts à combattre pour notre vie et pour celle de toute la galaxie. Souhaitons que vous ayez raison, mes amis. Car sinon, la poussière sera tout ce qui restera de notre peuple. La lumière nous éclaire tous. La lumière nous éclaire tous. Alors que le combat se dessine à l'horizon, les torches de nos ennemis tournoient dans l'obscurité. Tandis qu'ils s'approchent pas à pas, la lumière continue de s'approcher. Et comme soufflé par le vent, l'éclat de nos flambeaux finit par cesser. Quand soudain un homme s'écrie : « La nuit viendra des étoiles », en observant la fin d'un temps passé.